Voilà. Zani, 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 zani. Voilà. Bon dimanche à tout le monde. Ouais, ça va. Ça va. Bien. Bon, Tranquille. t'inquiète, ouais, tu dis, Ouais, achète ton téléphone. je suis en direct. Tu vas à la maison là. Mais, ouais. À tout à l'heure. Julien Sombi, big up, bon dimanche. Marie-Noël Dina, big up, bon dimanche. Voilà. Vraiment justice pour Samy. Moi, tu ne peux pas venir me demander justice pour Samy. Voilà, si tu n'as pas vu mon post, voilà, de ce matin, ok, à la barre, les stars caribéennes, Lolo Fodja, voilà. Eh bien, Natacha de Monaco, eh bien, toi Tribienne, surtout celle de toi Tribienne là. Ok? Je ne vous ai jamais dit que oui, les Benguetaires ne se comportent pas comme ça. Hein? Normalement, est-ce que celle de l'étoile Tribienne là, hein, c'est elle qui devait venir là, bap, 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 justice pour Samy, Samy, Samy. Je ne vous ai pas encore dit que nous ici là, nous sommes une bande des illettrés. Hein? Que nous ne maîtrisons rien. Moi, je suis un patriote. Ok? Vous savez, lors du combat, je framponnais la base, non? Pas tout le monde, certains. Beaucoup de la base, j'ai toujours respecté. Ok? Voilà, mais certains. Je n'ai pas encore dit quoi ici. Est-ce que c'est celle de l'étoile tribienne là? Moi, je vous ai dit, il y a des gens. Hein? Étoile tribienne, déjà, toi, sur la toile, tu fonctionnes avec qui? Tu fonctionnes avec les qui? Des hommes qui volent les femmes. Oui. Non, mais il faut que je te dise un peu. Parce qu'il ne faut pas venir dire que oui. Hein, mais mes étoiles, quand le pasteur s'y me prend, je lis là. Je suis allé demander à Tata Lolo. Donc Tata Lolo est seulement là pour vous écouter quand vous partez la voir. Hein, pour que j'arrête les du cabinet comme ça. Hein, je ne vous ai pas encore dit que vous qui êtes dans la vente des produits là. Hein? Et que vous, vos odeurs ne sont pas là-bas, là. Les chiens là-bas là, au Cameroun, hein? Ne maîtrisent pas vos odeurs. Vous êtes ici, bac, 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 hein? D'arrêter ce que vous faites. Hein? Tu vous vendez des produits et vous vous attaquez aussi à une femme qui vend des produits. Donnez même ce Kongo-ça là aux autres, non? Aux gens qui sont, voilà, hein? Je vous ai pas encore dit ça. Partagez mes gens, mais bim fort, fort. C'est même quelle habitude là sur la toile. Vous avez hier résolu, vous les enquêteurs, la justice de Facebook. Hein? Quand Dokou Mamou vous dit que oui, nous sommes une bande de comédiens. Hein? Nous faisons tuer le temps à certains. Hein? Oui. Quand vous êtes dans des pays des Blancs, pourquoi le soir, après le travail, dans plusieurs chaînes, leurs chaînes, il y a de la comédie, de l'humour. Hein? Vous avez à chercher à comprendre ça. Nous sommes comme ça là. Ok? Si vous avez des cœurs de poulet. Et toi, Christian, je ne t'ai pas encore dit que la dernière fois. Hein? Si tu veux respecter vraiment, hein, cette justice que tu réclames là, tu es ici en Bengue. On dit que tu vends le ndundo, tu nies. On dit que tu fais ceci, tu nies. Hein? Mais ta façon de te comporter, quand tu raquais les murs ici, hein, tu raquais les murs ici, je ne t'ai pas encore dit de la boucler. Je vais même réclamer ta justice, hein, mais ne présente plus tes produits. Tu as vu les Benguetaires faire ça. Hein? Profitez, voilà, chaque temps. Hein? C'est vous qui demandez la justice, la justice. Hein? Je ne vous ai pas encore dit que quand les vrais enquêteurs, des personnes formées et certifiées, hein, prennent le dossier, réclamez la justice à ceux-là. Ce n'est pas vous. Vous avez à régler quoi? Partagez-moi, mes gens. Hein? Je suis patriote. Hein? Moi, je suis patriote. Et je l'ai prouvé, oui. Lors du combat ici, une fois j'ai aussi constaté ceux qui sont aussi allés chez les patriotes avec des ventres plats pour avoir des gros ventres, la jachère, tout ça là. Hein? J'ai commencé à frapponner les certains de la base et certains patriotes. Moi, si respecter les institutions, hein, un mandat, ok, n'est pas touché à tête au bien public et respecter. Oui, je le suis. Je le suis. Si ça vous plaît, dit tu es patriote, je le suis. Mais vous êtes là. Et toi, Tribienne, je commence un peu par toi.
Regarde-la sur la toile. Regarde ton fonctionnement. Hein. Quand le garde de Koma Mougoussi me prend, alors je suis allé voir Tata Loulou. Donc tu es ici à l'église en caïman. En caïman. Et peut-être qu'avec un faux profil. Hein? C'est sûr que tu me mets les cœurs sur ce que tu me dis. Mais tu vas avec ton vrai profil où? Dans quel direct? Hein? Dans quel direct? Ça veut dire tu fonctionnes avec les qui? Regarde comment tu fonctionnes là sur la toile. Hein? Me sang, c'est ton couloir. Les Amekamer, ton couloir. Tous ceux qui sont hein, à Abbe 2025 et comme ça, tout juste pour avoir des gros ventes et des gros joues. Hein? Tu fréquentes les qui là sur la toile? Quand tu fais des directs, chaque temps, tu dis que oui, allons chez tel, allons chez le grand frère. Toi, tu es là comme un fils à crisser. Tu es toujours en train de dire, allons chez la grande salon. Il dit, regarde, tu nies tout. Hein? Je ne t'avais pas dit que tu te comportes là sur la toile comme la Sainte Marie. Hein? Je ne t'avais pas dit ça. Ta façon de t'exprimer, la façon, hein, c'est toi si tu ramènes. Hein? Cet état d'esprit-là que oui, mes païens sont rescrètes, mes païens sont rescrètes. À nous, on m'a fait ceci, fait cela. Regarde, écoute-moi très bien. Je suis un bengueter. Il a tout vu ici. Ok? Tu peux pas me mentir. Je sais ce que tu fais. Est-ce que tu comprends un peu? Parfois, il faut la boucler. Faut la boucler. Ici, sur Facebook, nous amusons la galerie. Ok? Voilà. Facebook a des couloirs. Je vous ai déjà dit. Si vous voulez être que des enquêteurs, ok, et que vous maîtrisez tout, tu es ici, je ne sais, à Nantes. Si c'est à Nantes, là où tu es caché comme un rat palmiste, vous êtes une catégorie comme ça, les bachos, les vous, hein. On ne connaît pas vos vies, hein, mais tu connais les vies des gens. Je ne t'ai pas encore dit que oui, hein. Quand les vrais enquêteurs, ok, réclamaient la justice, ok, c'est tout ce qu'on peut faire parce que ça nous fait mal. Oui. Mourir dans les pareilles circonstances, que ce soit Martinez Zogo. Hein? Vous-même, Martinez Zogo, moi, j'ai connu Martinez Zogo, je venais chez le président. Ok? Voilà, Olinga Oscar. Ok? Vous êtes ici, là, sur Facebook, tu es là-bas, là, là où tu es caché comme un rapalmis. Hein? Tu es toujours là. Hein? Tu présentais les produits. Tes produits étaient censés synchroniser la peau de Ngossa, le décollage, ok, bien mettre ça au clair. Ça a réussi. Non, mais disons-nous des vérités vivantes. Pourquoi, quand tu viens même dire que oui, hein, on protège le coupable, pourquoi tu viens présenter les produits? Le coupable l'a fait les mêmes, dans les mêmes choses que toi, hein. Pourquoi tu es toujours, fais comme les gens qui vivent en Bengue, non, hein. Vous venez ici, hein. Les exemples, quand les femmes Watt, hein, travaillent pour changer leur vie ici, à égalité de sexe, à ceci, vous venez ici, vous copiez toujours mal. Faut aussi comme les autres, non? Hein? Qu'est-ce qu'il y a que, fais comme là où tu habites. Les Watt, hein, quand ça pitié, ok, ça se soucie de la famille, le mal, hein, parce que ça parle partout. Il est mort de ceci. On a enlevé deux reins. On a enlevé un poumon. On a enlevé. Mine, wassa. Et toi qui bien moi, t'es a dit. Facebook vous donne des ailes. Je te dis d'abord, toi, ta qualité là. Ok? Tu es aussi comme le petit Axel là. Le petit Axel qui est en train de finir avec la fille de Makosso là. Parce que quand vous vous exprimez, hein? Un loup, ma bebe, ok? C'est comme ça, hein? On commence à vous caresser, hein? Alors que vous êtes des vipères! Des vipères! Vous savez ce que vous cherchez quand vous prenez un dossier. Tu viens présenter tes produits là, hein? N'est-ce pas, Ngossa? Nous avait donné un mois, elle a laissé des habits pour tes produits, avec tes produits, la puissance de tes produits. Tu t'attaques à une femme qui fait le même commerce que toi, demandez aux vrais enquêteurs la justice. Ok? Si vous avez des preuves, toi et toi, tribune, c'est toi qui avais dit oui, moi, vous savez, mes étoiles, hein? Mes enquêteurs ne peuvent pas me mentir. Mes enquêteurs, je t'avais pas demandé de prendre toutes ces preuves-là et à envoyer aux vrais enquêteurs. Hein? Pour que ça finisse une fois pour toutes. Hein? D'arrêter de nous prendre la tête, là. Hein?
Il y en a qui ont déjà les chaînes de télévision, les chaînes de télé. Oui, avec l'histoire de Sami ici. Il y en a tous les jours, hein, même si ça parle d'une diapap. Justice, ça ne parle même pas, ça ne parle même pas de Sami, hein. Ça met seulement justice. Voilà, ça met la photo de, voilà, hein. Et ça parle, ça insulte les gens. Et toi qui viens, partagez mes gens. Partagez. Je vais d'abord vous lire. Vous êtes même comment même? Vous êtes comment même là sur cette toile? Vous avez y a résolu quoi? Hein? Vous ne faites que, hein, fragiliser les cerveaux, hein, les cerveaux du peuple. Moi, je vais d'abord vous dire, hein, ne soyez pas surpris qu'un jour, avec votre mentalité là, hein, vous, nous qui sommes ici, on nous appelle que le Cameroun est devenu Cameroun au revoir. Ok? Voilà, Cameroun au revoir. Ça veut dire, vous voulez même sur Facebook gravir la vedette aux vrais enquêteurs. Ça veut dire, vous mettez même la pression aux vrais enquêteurs. Ah, vous avez des preuves, ah, vous avez ceci, mais vous ne les envoyez jamais. Vous ne les envoyez jamais. Les toiles qui viennent, tu méprises les gens. Toi, tu peux maîtriser qui là sur la toile. Regarde ton fonctionnement. Hein? Ici, tu sais tout ce que le pasteur fait. Ouais, tu connais, ouais, maîtriser tout, tu peux pas nier, hein. Tu dis dans tes directs, hein, quand le gars si, quand le pasteur si, parce que tu me respectes, vous me respectez, quand il me prend, je suis allé voir Tata Lolo, mais toi, hein, vous êtes là, yougou, yougou, vous ne voulez pas aussi la contradiction, ça veut dire, vous les Camerounais d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'il dit, un jour, le Cameroun, on va nous appeler, na Cameroun à tout, Cameroun au revoir, hein, ça veut dire, vous voulez à chaque fois, que ce que vous vous dites, hein, nous on doit adhérer à ça. On adhère, hein. On ne doit pas dire que non, il faut que nous autres, hein, que nous puissions réfléchir comme vous, accepter ce que vous dites. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal ça? C'est normal ça? À chaque fois qu'il y a une petite trace là, sur la toile, vous prenez ça. Vous prenez ça. Hein, les chaînes de télévision prennent, nanani nanana, entre temps, les hommes que vous demandez donc alors, que oui, il faut que ça travaille pour élever le Cameroun. Hein, vous les attirez aussi dans votre Congo, ça, le temps de travail alors, sera où? Les trois tribunes, dis-nous un peu. Dis-nous un peu. Je m'en fiche, hein? Oui, si tu veux ta justice, je m'en fiche, mais ton comportement, parce que tu nous as dit, tu as des preuves tangibles. Tu nous avais dit ça. Tu nous avais dit ça. Et je t'avais dit, envoie ça chez les vrais enquêteurs. Parce que vous, hein, vous n'êtes pas formés. J'avais même pris, pour exemple, ici en Bengue. Si les flics là réussissent certaines enquêtes, c'est le voisinage, c'est les ceci. Vous allez voir, hein, dans les immeubles là, il y a des vieux là. Chaque fois, le rideau est ouvert, hein, d'un côté. C'est somptueux. Et les gens sont souvent surpris que maître, hein, parce que vous, vous allez dire que oui, c'est la magie, c'est ceci. Non, c'est grâce aux gens comme nous. Parfois, c'est les enquêteurs réussissent leur boulot, ok, avec des preuves, hein. Mais vous êtes ici là sur Facebook. L'odeur, hein, les caméras de l'aéroport de Simalène, ça fait from Bayen Kimina, Douala, rien, mine bab. Et tu viens nous présenter les produits. Tu viens nous présenter, tu ne peux pas dire que bon, voilà, hein, les larmes des Camerounais pleurent, hein, je vais un peu m'assainir, tu laisses un peu ton histoire quand tu parles de l'histoire de, hein, t'as pas un autre, hein, un autre sujet là où tu peux présenter tes produits si tu étais intelligente, hein, si tu étais intelligente et que quoi, tu étais vraiment intégré, que tu es chez les Watt, hein, tu as vu les Watt, ok, faire ce que vous faites là, hein. Tu as vu ça? Donc, il faut arrêter ça. Tu comprends? Oh, nena, tu es fourbe. Tu te balades là sur la toile, rien que avec des malhonnêtes. Avec des malhonnêtes. Regarde, tu d'accordes les qui sur la toile. Tu pars dans les directs avec ton vieux profil. Regarde, hein, c'est tous ces hommes-là. Hein, les dossiers sont versés sur Facebook. Des escroqueries. Et Barnabas ceci, et les mecs et les doigts dans les bilans, dans les toilettes avec les madames, hein, et ben ceci, c'est là-bas que tu vas avec ton vrai profil. Là, on vous dit des vérités, vous fuyez, vous venez en faux profil, hein. Tu es comment même, hein?
Tu es comment? Et toi aussi, bête que tu es, hein, tu veux que je crée une entreprise, hein, là, tout de suite, hein, dans les réseaux sociaux, hein? Tu viens dire que oui, non, je travaille. Tu travailles quoi? Ouassiedé, même vos histoires de produits là, hein, même les vrais, c'est-à-dire les propriétaires même, ok, qui profitent de vos noms, la même chose qu'on avait fait Emmanuel Keta, c'est les vous, hein, il faut arrêter ce que tu fais là, hein, quand tu réclames justice, hein, justice, laisse tes histoires de produits. Tu viens parler bac. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est à cause des gens comme de toi, comme ça là. Tu nous avais pas dit que tu as des preuves. Tu nous avais pas dit, vous avez fait ici, hein, tout le monde, même Emmanuel Macron et Brigitte Macron savaient que oui, on avait enlevé les reins de Samy, hein, on avait enlevé les poumons, hein, on avait enlevé ceci, hein. Vous avez courbé les cervelles des Camerounais ici. Hein? Vous avez des preuves. Hein? One Love Ali, Abeli Télévision. Hein? Toi, tu es là chaque fois, tu attires du monde. Hein? Tu attires du monde. Et après, tu présentes les produits. C'est normal, ça, là. Si tu veux vraiment te respecter. Hein? Hein? Et c'est toi qui veux jouer les dangereuses. Hein? Toi aussi, tu veux déjà expliquer, hein? Expliquer comment l'eau n'est pas intelligente. Hein? Comment elle n'est pas ceci. Et toi si comme ça là. Hein? Toi si tu es arrivé quand sur la toile. Si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est comme ça que vous êtes. Hein? Vous manquez de respect. Vous manquez de respect. Lorsque, ok, vous profitez de cette visibilité négative là. Compression, elle est là. Hein? Nous avons vu en maillot de bain. Elle nous avait donné un mois. Mais le temps nous a donné raison. Voilà. Nous avons vu le corps. Nous avons vu comment, hein, tes produits là, hein, ont embelli le corps de Compression. Nous avons vu, et toi, Tribien, nous avons vu, hein, Maman a filtré toi-même. Ouais. Nous avons vu tes produits là embellir le corps de Compressor. Le corps de Compressor est dans, ça dit dans toutes les pages. Hein? Les gens ont pointé les flèches sur les endroits bien. Attends, oh, arrêtez ce que vous faites là. Ok? Quand on veut s'attaquer à un pareil dossier, là où les larmes des Camerounais pleurent, ok? Ce n'est plus à la rigolade. Ok? Viens tape sec. Hein? Tape sec. Ne viens pas dire que oui, les produits. Quels produits? Je ne vous ai pas encore dit que il y a beaucoup de femmes. Hein? Vous avez détruit leur peau. Hein? Elle ne peut pas venir pleurer sur Facebook. Ça peut pleurer chez les dermatologues. Je ne vous ai pas encore dit ça. Hein? Les toits cribiennes, voilà le corps de Compressor. Beaucoup de femmes ont bâillé les trucs là sur la toile. Leurs peaux sont à Djogo. Ça ne peut pas venir pleurer là, parce que c'est la honte. Ça a honte. Ça se dirige où? Ça peut pleurer où? C'est pas chez les dermatologues. Hein? C'est pas chez les dermatologues. Tu viens là, une histoire sérieuse comme ça, là où vous avez abouti le peuple camerounais. Hein? Tu viens dire que oui, commander les produits de l'étoile tribienne. Ah non, ma l'étoile tribienne. Je comprends pourquoi les filles de Kribi, hein, Benofoua Nara, hein, tu es comment même? Hein? Tu ne peux pas venir, hein, un jour comme ça, tu dis, waouh, j'ai la vérité, ça y est, j'ai la solution, j'ai la vérité, vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Hein? Les gens se tuent aux États-Unis, vous va. Les Américains ne parlent même pas, hein, ceux qui sont aux États-Unis. Ici, vous payez ça, vous devenez des enquêteurs, hein, des avocats, des juges, des présidents de tribunaux, hein, à Facebook, voilà. À Facebook, Anna, hein? Je ne vous ai pas encore dit que oui, sur Facebook, il y a zone et zone. Hein? Pourquoi vous ne partez pas vous agripper là-bas, là? Hein? Là où vous voulez nous faire croire que oui, vous avez des grosses têtes, vous réfléchissez mille à l'heure, et mille beaucoup d'œil. Pourquoi vous ne partez pas là-bas, là? Il y en a, Facebook a des zones, là où on réfléchit,
On ne rigole pas là-bas. On ne fait pas comme les Dekomamougou. On ne fait pas comme voilà les Fleurs de l'Île, les Lolo. Bon, Lolo est à Belle Télévision. Mais comme ça, hein? Bon, Warriors, amusez la galerie. Ouais? Vous venez là, bande de dépressifs. Hein? Tu viens, hein, proposer des produits sur les morts des gens. Hein? Tu viens proposer des produits et tu t'attaques à une personne, hein, qui est, ça dit, je ne sais pas, elle est au ciel, hein, en termes de produits. Hein? Hein? Le seul cobaye que tu avais vu, c'est Mangiata. Je t'avais dit, tu avais raté ton casting. Hein? Parce que tu sais très bien que, hein, aller donner à Mangiata, ça dit une peau compliquée, une peau arrachée, repassée. Hein? Et en plus, on rajoute les tatous à nous, Wamalo, poison là. Et tu avais dit à la toile que oui, ce sont tes produits en un mois qui vont, hein, synchroniser ça. Voilà sa pack, maillot de bain, bitout partout. Hein? Il y a des petits coups en hein, jaunâtre, rougeâtre, hein? Bleu jaunâtre et comme ça. Et ben, tâche tout. Hein? Tu viens là à chaque fois. Tu es fourbe. Tu comprends? Toi, l'étoile tribienne. Et tu n'es même pas maligne. Ok? Quand on te coince quelque part, tu viens là comme la Sainte Marie. Hein? Tellement tu sais te justifier. Hein? Tu sais te justifier. Parce que quand on voit ton petit front là, hein, un petit visage innocent, hein, les gens qui te suivent, ah oui, hein, on a un man poupée, man jouet, moi je te dis ça, parce que quand on te voit, hein, t'as dans mes étoiles, bombarder les cœurs, vous savez que ma page elle est restreinte, hein, bombarder les cœurs, sécuriser, ah non, ma sécuriser. Hein? Pélagine Gassa, big up. Hein? Non, la Rosita. Tu ne vois pas donc alors celle-là. Hein? Celle-là. Je suis parti là-bas, là, à Kribi, la dépassée. Je n'ai pas eu son nom là-bas, là. J'ai eu le nom de Lolo au débarcadère. Hein, Natacha de Monaco, parce que c'est moi, je m'exprimais quand vous voyez la grosse cylindrée, toi ouvert comme papa Poudbia, à des bacadères. Ok? J'ai fait allusion. Hein? Tu connais Natacha, tu connais Loulou, mais si. Hein? Celle-là, on la connaît où? Hein? Elle la connaît où? Hein? Elle la connaît où? Quand elle était ici, Lolo, tata Lolo. Hein? C'est comme ça, ça va gruire pour gratter la visibilité. Hein? Et après, quand les gens partent là-bas, là, tellement, hein, elle parle comme la Vierge Marie. Ah non, mais il faut voir. Hein? Essaye un peu de t'habiller comme des sœurs. Tu vas voir. Tu seras très mignonne avec ça. Hein? Tu seras très mignonne. Hein? Les sœurs, les quatre sœurs qui tombent, qu'on les gnasse. Hein? On les gnasse à part accoucher dans un autre pays. Hein? Vous voilà. Hein? Quand tu viens te justifier, Anouama, même si quelqu'un disait que toi là, tu es dangereuse, quand ça te voit parler, la façon que Mana Swana Tora autrefois, hein, la personne va laisser le problème. Hein? Tu as toujours pris les gens comme ça là. Ounouya, les trois tribunes, Ounouya, regarde les gens que tu fréquentes. Regarde là où tu cherchais seulement à aller intervenir. On dit que l'homme détruit la femme. L'homme détruit la femme. Hein? Mais j'ai compris qu'aujourd'hui, au continent, c'est pour ça, je risque d'être ici que oui, Benga Lomene Cameroun a tué Cameroun au revoir. Parce qu'une femme, vous comme ça là, hein? Vous comme ça là, tu dis que tu es honnête, hein? Il y a mes étoiles, je suis ceci, je suis cela. Mais tu vas vivre derrière de qui? Tu marches derrière de qui? Dis-nous un peu la vérité, tu marches derrière de qui? Hein? Sur la toile, là, tout ce que Mekin Tangsang nous a démontré, hein, c'est un homme à fréquenter, toi en tant que femme, hein, Amer Kamer, tout ce qui nous a démontré, hein, c'est là-bas, là, hein, tu dis que oui, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela, mais quand tu te colles donc alors, hein, et c'est toujours les femmes qui viennent pleurer, hein, pas beaucoup d'hommes, hein, pas beaucoup d'hommes, c'est toujours les femmes, donc ça veut dire, moi j'ai donc alors raison.
Depuis 3 ans, j'ai dit, aujourd'hui, c'est la femme qui tue la femme au continent. La raison pour laquelle j'ai dit un jour, hein, on va nous appeler que le Cameroun est devenu Cameroun au revoir. Parce qu'un pays ne peut pas avancer sans vraie femme. Mais vous là, ton comportement, c'est un comportement d'une femme frivole, l'étoile tribienne. Onibamba. Onibamba. Et je te dis, Wabou, ça dit Wabwe Bamba. Et tu comprends? Tu voles, et tu voles, tu fouilles les poches. Tu es quitté au pays du Rococo, Rococo, la maline de ça, la quartier de Nga. Que oui, quand ça reçoit la maison, hein, dès que le gars finit de faire donner le coup, pack, ça part, le gars a Djogo dans le sommeil, elle n'est pas fouillé. Ça fouille les porte-monnaies, ça fouille. Tu es la quartier là. Hein? On insiste. On insiste. Non, mais je te dis, je ne te manque pas à l'étoile tribienne. Moi, je suis sur la toile là. J'observe tout le monde. Tu comprends? Mais tu es une dangereuse, une fouine. Hein? On a un manambasumo. Tu es là, tu renouvelles partout. Donc, toi, tu peux y traiter, tu peux y décrypter en direct. Dis que, regarde maintenant le gouvernement camerounais. Hein? Tu vas maintenant dire alors au gouvernement camerounais pourquoi tu peux venir dire ça. Hein? Hein? Toi, tu viens maintenant, ta sœur tribienne, ou tu es foi, hein? Onga Karina, hein? Elle n'est pas intelligente, hein? Regarde alors mes étoiles, ce qu'elle a dit, hein? Et tu veux écouter toi si comme ça, là, hein? Tu marches avec les bandits, ouais? Tu marches avec les bandits, tu coûtes toi les bandits, oui, sur la toile, là, il y a des bandits, toi, en tant que sœur, quand tu viens t'exprimer, l'étoile tribienne, je ne te manque pas. Ok, même si quelqu'un est comment, ça ne peut pas te faire, hein, ça ne peut pas te faire mal. Tu comprends? Parce que tu as ce petit corps innocent là. On croit que oui, hein, on, tu comprends? Non? On, je ne sais pas. Celle-là, tu es une fouine. Tu comprends? Tu es celle qui abat derrière le dos, la lâcheté. Est-ce que tu comprends? Les doigts qui viennent. On va gratter. Dis-nous, hein? Tu viens prendre un gros dossier, hein? Justice pour Samy. Tu ne peux pas faire comme ma femme, hein? Même s'il ne parle pas, il met seulement justice pour Samy. C'est peut-être pour attirer l'attention aux vrais enquêteurs. Ou à Zokoba, ou à Yembe, vérité, hein? Tu es même comment même, hein? Dis-nous même un peu, les trois qui viennent, hein? Tu es même de quelle région au Cameroun? Hein? Tu as dit que tu sors dans le pays là. Tes jeunes sont aussi dans le pays là. Je comprends pourquoi tu as ce petit visage là. Hein? Hein? Et il y a des gens là, comme les Somaliens, tu dis que oui. Hein? Tu veux complètement te blanchir. Que oui, tu as 18 sang dans l'organisme. C'est pour ça que tu es Ndougourou. Tu es quel Ndougourou? Hein? On te framponne en plein Rembiaï, big up. On te framponne en plein direct. Hein? Au lieu de répondre. Hein? Donc, Tata Lolo, elle sera seulement là que, hein, vous partez la voir pour qu'elle vienne me calmer. Hein? Et pourquoi vous partez la voir? Hein? Toi, tu ne peux pas venir me voir comme les autres. Hein? Viens me voir comme les Magina Kenkam. Hein? Et toi, tu veux tuer que celle-là, tu dis que tu ne te mélanges pas, mais tu peux voir pour que... Attends, Macarona, hein? Tes produits-là, moi particulièrement, ça ne m'a pas convaincu. Ok? Quand tu prends pour cobaye, hein, Mandiata, j'avais fait un direct quand tu as raté ton casting. Et j'avais compris que peut-être que tes produits-là, tu cherchais toujours... Tu comprends? Parce que si tu t'attaques aux vraies personnes, tu comprends? Tu ne peux pas venir à chaque fois, hein, une histoire de mort. Quand tu respectes même le deuil de cuir, surtout la famille, tu ne fais pas ça. Tu ne profites pas à venir vomir du mensonge, tu comprends? Et après, mes étoiles, commandez. Non, Waman, commandez. Hein? Voilà ça, voilà compresseur. Hein? Vous qui faites les produits là sur la toile, hein? Regardez, il y a une mascotte là-bas là, en Italie, Isaac Cam.
nous voyons, hein, elle nous présente avec une petite boîte, hein, le morgue, regarde mon menton, est-ce que tu vois encore les boutons? Mais, vous foutez de vous-même. Hein? J'ai dit beaucoup, vous qui êtes têtus là, vous les femmes là, quand on vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Ok? N'embêtez plus, embêtez les dermatologues. Aujourd'hui, un rendez-vous. Nous qui travaillons, nous qui portons les chaussures de sécurité, les rendez-vous, c'est les 3 ans, parce que c'est là-bas que vous partez pleurer. On décrit vos peaux ici. Venez taper sec. On va les contour. Ok? Hein? Les dermatologues sont là envahis, vous partez couler les larmes là-bas là. Hein? Quand vous voyez les toiles qui viennent là, elle est honnête. Elle est honnête. Depuis qu'elle est là sur la toile, elle est honnête. Hein? Elle est honnête. Est-ce qu'elle est honnête? De un, tu connais avec des voleurs, des manipulateurs, ok? Des vendeurs de rêves. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà, parce que ces gens-là ont tellement de visibilité, parce que beaucoup partent se cacher là-bas, là, pour mentir eux-mêmes. Ok? Parce que quoi, l'Ongengerou de Suisse, les qui sont versés là-bas, là, c'est les mêmes femmes que lui-même, il traite. Abou Waka. Ah, ben, vieille peau, ah, ben, ceci. C'est versé là-bas, là, pour fuir. Ok? Ça pas mettre que les cœurs. Ça dit, c'est cœur hypocrite, là. C'est ça, tu vas gruer, toi, dis, toi, tribienne. Hein? On vient ici avec le dossier d'Amer Kamer. La maison. Tout le, les garçons en train de fuir Amer Kamer. Ouak. Hein? Mais tu es au courant de tout ce qui se passe à l'église. Hein? Vous connaissez seulement Tata le loup, vous l'allez du Cambido. Allez la voir pour venir hein, me temporiser. Vous croyez qu'elle n'a que ça à faire? Hein? Est-ce que c'est elle qui me dit d'abord de faire quelque chose? Hein? Je vous ai approuvé par A plus B. Regardez très bien. Vous qui êtes là, hein? Lolo de comme wo, 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 wo. Vous ne voyez pas que Lolo est souvent à Paris, je suis à Paris. Hein? Vous avez vu une image? Vous avez vu une image? Hein? Si c'est du Cambindo qui avait la position de l'église ici, hein? Mais mon ami, c'est que il gratte. Hein? Le loup est souvent là une semaine à Paris. Hein? Vous êtes là, yougou yougou. Moi, je suis dans une logique. Je vous dis ça ou quoi? Ok? Quand tu viens là sur la toile, tu dis, j'ai des preuves. Mes informateurs, je suis des cribis. Et après, les trois tribunes viennent nous dire que, hein, attends, j'ai un sang qui sort, si c'est de la Somalie, hein, si c'est où là, elle appelle ça, elle appelle ça. Le pays là où les gens ont les petits visages, là, vous les voyez beaucoup ici, ici, hein, hein. Moi, avant, je croyais qu'elle était rwandaise, les trois tribunes, hein, je croyais qu'elle était rwandaise, hein, il y a Belgina, la femme-ci, hein, les gens vont venir là, on va peut-être croire que oui, tu as l'âge de Kemi, hein, Kemi Makusu, hein, alors que tu es une vieillotte, hein, on te voit avec ton nez là, hein, comme mon doigt-ci, hein, tu viens embêter les gens, hein, justice pour Samy, il y a eu ceci, il y a eu cela, hein, sur la toile, vous êtes tout, des voyants, vous voyez tout. Alors que nous avons des cas ici. Bachu est là. Il attend. Voilà. Que quelqu'un vienne dire que oui, Mayem. Hein? Hein? Vous n'êtes pas fort là. Hein? Kameni est là. Hein? Au lieu de venir nous éclaircir la chose, la seule gars qu'on peut dire que lui, elle au moins. Caressez vos jolis doigts, non? Attendez-vous, Lolo et Hélène, pico, bon dimanche. Il a dit que, Franck Michel, il a dit que, mes gens, il y a des gens là sur la toile, au moins, hein, si seulement, hein, on se focalise au dit de Facebook, on peut dire qu'on peut appeler Kameni au secours, que ça dit, non, que ça, là,
Sinon, on risque, laisse nos cerveaux risque là. Viens nous résoudre le problème si. Mais on est là depuis des mois et des mois. La femme est aux États-Unis là-bas, là. Même quand ça veut parler de Mbopi. Justice pour Samy. Ouais, nous, ouais. Mes gens, partagez. Partagez. Kabni. Kabni. Mes gens, moi, je vais vous dire la vérité. Moi, de Komamugu, quand je vous dis, ça va faire 22 ans que je suis ici. Ok? Je suis arrivé dans cette ville et je n'ai jamais bougé pour m'implanter dans une autre ville. Vous me voyez me déplacer, c'est pour aller intervenir. Est-ce que vous comprenez un peu? Je n'ai jamais été convoqué au commissariat. J'ai vu ici en France, le commissariat ne me connaît pas. Ok? Je vais vous faire une anecdote. J'avais perdu 8 points sur mon permis. N'est-ce pas? 8 points. Et ça fait quoi un jour à Paris? Bon, ça faisait longtemps. Une fois à Paris, je me fais contrôler parce que j'avais un petit choc arrière. N'est-ce pas? Je me fais contrôler. Les flics me disent, voilà, de me mettre sur le côté. Voilà, tac, tac, tac. J'entends seulement, monsieur Amougou, mettez-vous sur... Monsieur Amougou, je dis que, mais, tac, comment ils me connaissent? Voilà, tac, 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 tac. Après, le monsieur et la dame descendent, me disent que oui, de comment Amougou, tu es un bon citoyen. Je te jure, vous savez, ils ont les appareils, mais va régler le problème, voilà. Parce que d'autres vont te coller une amende. Et comme j'avais déjà perdu mes points, je pose donc alors la question au flic. Je pose la question au flic. Il m'en reste combien de points dans mon permis? Tac, ça va, ta 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 ta. Vous avez vos 12 points. Je dis non, mais c'est pas possible. J'avais perdu mes points. Voilà. Après, il me dit que non. Vous avez récupéré vos points. Et qu'est-ce que le flic, la dame me dit? Il faut continuer comme ça là. Ils ont dit, un bon citoyen, je suis ici, tout le Havre, il dit, vous pouvez arriver à la gare, vous me demandez, on va vous dire si je suis là ou je suis en mission. Est-ce que vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas poser la question quand vous arrivez à la gare. Moi, je vis ma vie comme ça là. Je ne me mêle pas des histoires que je n'ai pas vécu, je n'ai pas assisté. Non. J'ai fait toujours confiance une fois que les personnes formées et certifiées récupèrent l'histoire. J'attends. Je vous ai prouvé au pays. La tuerie, c'était à côté de chez nous. J'ai filmé le début. Une fois la gendarmerie avait récupéré. Voilà. J'ai dit aux followers que bon, voilà, la gendarmerie a récupéré. Moi aussi, j'attends le retour maintenant de la gendarmerie. Parce que c'est tout le monde qui venait dans mon e-box maintenant. Dis-nous. Ça dit quoi? Je vais dire quoi? J'attends aussi, nous là sur Facebook, des histoires comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que blogueur, en tant qu'influenceur? Ok? Faire bouger pour que cette personne formée et certifiée récupère donc l'histoire. Et là, nous allons réclamer justice tous les jours. Mais aux policiers, aux enquêteurs. Mais vous alors, quand ça récupère même, vous ne les respectez plus. Vous dites qu'ils font comme ça là. Est-ce que c'est normal ça? Et c'est vous qui ne faites pas comme ça. Et c'est vous qui ne faites pas comme ça. Sylvie Tenier, big up, bon dimanche. Hein? Ricardo Kamga, big up, bon dimanche. Hein? Sylvia, hein? Attends, Sylvia. Bref, Sylvia, big up. Sylvia Bitoro, big up, bon dimanche. Est-ce que vous comprenez un peu? Moi, je me dis, le Cameroun est comme ça, c'est parce que il n'y a plus de respect. Ça veut dire, de comment Amougou vient, il s'exprime, il dit quelque chose, ok? Il n'aimerait pas que
les aucuns du concrétisent. C'est ça qui nous tue. Il faut toujours, hein, comme il y a l'expression là sur la toile, c'est quand ça vous arrange. Ok? C'est quand ça vous arrange. Ceux qui disent que c'est quand ça vous arrange, eux-mêmes sont noyés dans ça. Vous voyez, moi, je ne complique pas ma vie. Hein, moi, je vais vous dire. Regardez mon fonctionnement là sur la toile. Je ne cherche pas à être dangereux. Je dis, c'est la pandémie qui m'a envoyé sur la toile. Ok? Ça veut dire, même les gens que je fréquentais avant la pandémie, je ne les fréquente plus. C'est mes gens là sur la toile. Ok? On ne se voit pas. Mais l'effet de lire, moi, ça me suffit. Ça me suffit. Ok, ça me suffit. Ok, faut pas compliquer la vie. Faut pas venir sur la toile. Pression. Waouh. Pasteur de Kamamougou, on m'a dit que tu es en train de m'insulter avec ta tête comme pour Kirikou, avec ta crête sur la tête comme pour Kirikou. Calme-toi un peu, non. Pourquoi tu n'es pas venu avec ta page? Je te dis que. Je te donne les vues quand tu es en train de m'insulter. J'ai une dosée propre. Non. Non, je ne t'insulte pas. Je te dis la vérité. J'ai dit la vérité. Oui. Vous avez dit que je suis une fausse fille. Non, quand je dis ce que je pense, pasteur, tu es où? Tu es partout. Tu as dit la vérité. Pasteur. Tu as dit la vérité. Ah, Zambo, Amdjo, Mama, Kobo, à pasteur Mougou. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Regarde. Laisse. On va aller moulou. Allons, n'est-ce pas? Allons. Molo, ça, c'est moi qui entre. Oui, ouais, que déjà tu es venu. Est-ce que tu m'as salué? On m'a bipé. Quand tu es dans alors une femme réfléchie, si tu veux convaincre le monde que oui, tu n'es pas celle-là, que de comment mourir, que de je frappe, ne sais même pas viens, ce que tu pas ça, que je ne sais pas. Encore les vivre? Je ne regarde. Écoute-moi. Mm-hmm. Zani, je ne sais même pas ce que tu as dit, je te promets. Tu sais, moi, je ne crains pas tout. Pourquoi tu me plafonnes alors, mon indégolo? Moi, je lui ai dit, tu l'es. Je suis l'es. Zali, écoute-moi. Je ne suis pas une haineuse. Je dis ce que je pense et je passe à autre chose. C'est-à-dire, si je te dis que je sais ce que tu as dit, que Dieu me punisse, je ne sais pas. Je suis seulement entrée pour dire que je viens foutre le bordel et dire que... Attends, l'étoile. Oui. Attends. Laisse, on va aller terre à terre. C'est mon coup. Moi, je vais te poser quelques questions. Avant de me poser quelques questions, je dis bonjour. Viens, Benjina, étoile. Viens, Benjina. Bonjour. Hein? Laisse-moi dire bonjour, non? Oui, dis bonjour. Voilà. Après, on parle pas à pas. Tu sais que je n'entre pas chez tout le monde. J'entre chez toi. Si je te déteste, je n'entre pas. Bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur Zali. Avant de me poser les questions, je vais te dire une chose. Je te dis devant tout le monde, je ne regrette pas mon live. Parce que ce que Tata Lolo a fait en direct, c'est pour nous écraser. C'est pour nous faire passer pour les faux blogueurs. Non. Écraser les qui? Nous. Écraser les qui? Nous. Il n'y a plus de con. J'ai dit, hein, vous les qui? Tous les blogueurs. Non. Là, je ne suis pas d'accord. Alors, regarde. Sois honnête, tu es tout le monde. Tous ceux qui sont dans l'histoire, justice pour Samy, Abbe VP de Londres, il y a toi, il y a Be One Love et consorts. Vous nous avez dit ici que vous avez des preuves. Je vous avais dit, prenez ces preuves-là, envoyez donc alors aux vraies personnes formées, les 16 enquêteurs-là. Vous avez fait ça? Et de comment vous dites, en France, tu ne sais pas. C'est le nous comme ça là qui est donc la police et s'enquêter là a réussi cette thèse d'enquête. Mais justement, tu ignores ça. Tu regardes alors. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça? Non, je dis. Zani, tu ne peux pas poser une question et répondre en même temps. On va débattre. Tu ne peux pas poser une question et répondre à ma place. On a eu plein d'informations qui ont aidé la police. Tu comprends? On a eu plein. Oui. Rêve Biaï. Moi, je ne te gère pas. Toujours en train d'insulter. Je ne te gère même pas. Donc, j'ai appris que tu m'as... Non. Attends, Zani, rêve. Tu peux me clasher autant de fois. J'ai dit que je ne m'attaque pas au maillon faible.
Je ne te gère pas. Si tu avais quelque chose dans la tête, tu as... Attends, non, grand frère. Grand frère, laisse-moi, s'il te plaît. Je suis dans ton lit, je suis à la maison. Il dit, regarde. Rêve. Si elle écrit en commentaire, là, tu vas répondre en commentaire. Tu comprends? Non, je ne réponds pas en commentaire. Je lui dis, cache, qu'elle sache une chose. Même quand j'apprends qu'elle m'a clashé, elle n'a pas vu que je l'ai bloqué, donc je ne suis pas au courant. Quand j'apprends, ça passe comme le taxi pleut, je ne la gère pas. Voilà. Je te dis ça en direct parce que toi, tu sais que tu en profites pour venir faire un live. Je ne te gère pas. Si je voulais t'insulter, j'allais te traiter copieusement, rêve. Je te le dis clairement. Ouais. Ne crois pas que tu as le monopole des insultes. Voilà. Voilà. Je suis obligé hein, parce que quand moi, ouais, quand. Renvoie. Oui. Moi, quand je te dis que je te dis, là, tu vas répondre en commentaire. Hein? Mais toi, je te pose des questions. Vous aviez eu preuves et consorts venant de vos enquêteurs. Est-ce que vous avez remis? Hein? Donc alors, quand les vrais enquêteurs ont alors récupéré, hein? Vous avez remis? Non. Hein? Hein? Faut pas venir dire que oui. Hein? Quand on fait un truc, on ne regrette pas. Hein? On ne regrette pas. Mais si une autre personne. Fasto, bonjour. Bonjour. L'hypocrite la fumée là. Fasto, l'hypocrite là est là. Elle ne me gère pas. Tous les gens qui ont commenté là, pourquoi tu n'as pas réagi à leurs commentaires? Pourquoi c'est à mon commentaire que tu réagis? Si tu ne me gères pas, tu ne réagis pas à mon commentaire. Petite hypocrite, tu dis que tu veux m'insulter, tu es le faire depuis. Maillon faible. Ma chérie, avant d'être un maillon fort dans ta tête, tu as d'abord été un maillon faible. Partagez. Avant d'être un maillon fort dans ta tête, tu as d'abord été un maillon faible. Et devant certaines personnes, tu es aussi un maillon faible. Tu es une hypocrite. Vous ne pleurez pas Samy le noir. Vous pleurez les vues. Le seul problème que tu as, c'est parce que Lolo a eu le résultat de l'autopsie, ma chérie. Ce que tu n'as pas eu, c'est ça qui vous dérange. C'est ça qui vous dérange. Vous avez aidé les enquêteurs avec quoi? Moi, je m'entends avec ma grande religion là. Ma grande religion là. Pour avoir un bon teint comme Rêve Mbiaï, utilisez les produits de chez Karimo. Vous avez aidé les enquêteurs avec quoi? Parce que si vous ne pas. Mais pourquoi elle n'est pas venue ici avec son profil? Hein? Elle n'est pas venue avec son profil, Pasto. Elle est toujours en train de dire qu'on m'a dit. On m'a dit que tu es en direct. Elle est dans tous les lives. Je vois là, elle m'a framponne. Hein? Elle dit quoi? Parce que tu ne peux pas aller prier le dimanche. Toi, tu pries le dimanche. Tu as fui pourquoi? Il fallait rester. Une hypocrite, une chinoise. Tu as aidé les enquêteurs avec quoi? Tu n'as que dit des énormités, des bêtises. Tu n'as pas aidé une enquête. Tu es venu salir la mémoire de Samy. Vous avez sali la mémoire de Samy. Vous avez menti qu'il n'a pas fait d'accident. Vous avez dit qu'il a fait les partous avec Karimo. Vous avez menti qu'il a fait des partous. Vous avez menti qu'il a été étranglé. Elle vient dire que rêve bien, je ne te réponds pas. Tu me réponds, je t'attends. Tu dis que Lolo vous a acheté. Tu es patriote? Hier, tu n'as pas pu me donner la définition du mot patriotisme. Ça t'a dépassé. Tu nous fais savoir que le père Bagangélé gère la juridiction de Yaoundé. N'importe quoi. Ma chérie, tu es vide de connaissances. Je te mets au défi, on se met dans un débat. Ce n'est pas le bruit. Tu es vide. Tu n'as rien dans la tête, tu le dis. Tu t'es acharné sur Karimo parce qu'elle vend le cosmétique comme toi. Quand tu as pris la fille qui déteste Lolo pour être gérée de ta mère, Lolo s'est prononcé. Tu n'as rien dans la tête de ce petit. Et hier, tu nous l'as prouvé. Tu es jaloux parce que Lolo a eu le résultat de l'autopsie, ma chérie. Le résultat d'une autopsie n'est pas un secret d'enquête. Ce n'est pas une pièce à conviction. Quand le résultat d'une autopsie sort, on le remet aux membres de la famille. Ils sont libres de le dispatcher où ils veulent, quand ils veulent et comment ils veulent. Tu as compris?
ce n'est pas une faute professionnelle. Ce n'est pas une faute, ou bien ce n'est pas un motif de poursuite judiciaire. Lolo a eu le résultat que vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu l'humilité de fermer vos bouches et de passer ton temps à accuser Karimo. Je suis le cribi, il y a eu accident. Pourquoi tu n'as pas envoyé les membres de ta famille interroger les gens qui travaillent là-bas, les colboxeurs, les mototaximens, les laveurs qui sont là? Pourquoi tu n'as pas amené les gens de ta famille? Après, tu reviens nous dire qu'il n'y a pas eu d'accident. Tu as toujours été jalouse de Lolo et je te le dis encore. C'est Dieu qui t'a exposé. Le Dieu que tu sais t'a exposé hier. C'est tout. Tu nous dis que Lolo ne savait pas que l'histoire de Camille, de Samy allait vous donner des vues. Elle ne savait pas que l'histoire de Samy allait vous donner des vues. Tu parles de vues avec Lolo? Ma chérie, Lolo a fait 15 000 vues, madame. Et dans ces 15 000 vues, il n'y avait que des autorités du Cameroun. 80% de ceux qui la regardaient, les ambassadeurs, les ministres, les gouverneurs, les directeurs, les commissaires, la regardaient. Parce que c'était une histoire d'État. Mais le problème, c'est que quoi, rêve? Le problème, c'est que quoi? Ce qui m'énerve un peu, c'est que quoi? Quand ça dit Lolo a touché, a voulu les Shiba. Shiba, les qui? Mais elle dit qu'elle est patriote. Elle veut nous montrer qu'elle est patriote. Peut-être elle est patriote. Patriote, quel genre de patriote qui ne respecte pas ça? Hein? La patriote, étoile cribienne. Ma chérie, étoile cribienne, tu es une bassiste. Tu es de la basse. On t'a connu dans la basse, madame. Tu ne peux pas venir jeter l'eau à la vérité populaire pour nettoyer ton image ou ta réputation. La réputation que tu as, c'est que tu as insulté les autorités camerounaises. Tu as diffamé les autorités camerounaises. Va me porter plainte. C'est là, c'est directement là sur YouTube. Va voir sur YouTube. Tu as fait du sale. De mon côté ici, j'étais en train de les soutenir. Sus Comédie et elle. Hein? C'est moi, j'avais commencé à dire ici là que oui, ils veulent déjà venir nous envahir. Comme ils n'ont plus voilà, de travail là-bas, là. Ils veulent nous envahir. Ils veulent tout, surtout vous les filles. Oh, Karimo, Karimo, pour avoir un teint clair comme Rêve Piaï, utilisez la cam, Karimo. Tu es une petite hypocrite. On t'a exposé. Pasto, excuse-moi de prendre ton direct. Je t'ai exposé hier. Oshiga t'a mis à nu. Même ton ami du Capindo t'a mis à nu. Ils ont montré que tu montres que tu es une manipulatrice. Tu es une manipulatrice. Tu n'as jamais, Lolo, tu l'as approché pour la battre. La preuve, tu l'as appelé dernièrement pour lui dire que tata Lolo, malgré ta restriction, hein, tu as donné plus de 1000. Et toi, Tribienne, est-ce que tu étais obligé à faire allusion? Il y a certains sujets-là, ok? Parfois, moi, je dis non, je ne délaisse ça. Ok? Je laisse. Il y a des sujets, je peux bien fraponner pour amuser ma galerie, mais je laisse. Ma chère t'a fabriqué, Lolo t'a fabriqué, je le dis à haute voix, devant 250 personnes, l'étoile cribienne, Lolo t'a fabriqué. Toutes les 200 personnes qui sont sur cette page te connaissent grâce à Lolo. Flo ne t'aime pas, elle ne t'apprécie pas. Qu'est-ce qui s'est passé avec compresseur? Elle n'est plus gérée de ta marque. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle n'est plus gérée. Tu viens te mêler des problèmes de Lolo. Lolo t'a prononcé dans son direct d'hier, tu es patriote depuis quand? Depuis quand tu t'es sacrifié pour la patrie? La patrie d'un pays, ce sont les individus de ce pays et ce sont les, comment on appelle ça? Comment on appelle? Les individus du pays, les institutions de ce pays. Et un patriote est prêt à se sacrifier. C'est celui qui se sacrifie pour sa patrie. Tu t'es sacrifié quand? Tu es employé de Tukember. Le temps, 5 jours, tu auras ton salaire. Tukember vous paye tous les 25. Tu n'es pas patriote, tu es de la base. Tu t'es sacrifié quand pour le Cameroun? Lolo a été enfariné parce qu'elle est pour le Cameroun. Lolo a été tabassé par la base parce qu'elle est pour le Cameroun. Toi, tu t'es sacrifié quand? Quand? Tu as fait ton argent sur Meta et tu oses dire que tata Lolo, tu as fait ça parce qu'on croyait que tu ne savais pas que Samy allait faire les vues. Tu ne feras jamais les vues qu'elle a fait. Mais elle a fait des vues propres. C'était une histoire d'État. Elle a été reçue dans le bureau du délégué général la sûreté nationale. Et tout le monde voulait écouter de quoi, qu'est-ce qu'elle en est, qu'est-ce qui est ressorti de cette conversation. C'était pas du n'importe qui était dans les 15 000 vues. C'est pas tes bois, ta bois baisse qui te suit là.
pour avoir un teint parfait comme Rêve Biaï, utilisez la gamme Camélo. Le patriote, madame, c'est celui qui aime sa patrie. C'est quoi la patrie? La patrie, ce sont les citoyens et les institutions. Hier, tu n'as pas pu me le dire. Et tu n'as jamais, tu t'es jamais sacrifié pour le Cameroun. Tu es une employée de Zuckerberg. C'est ton patron. Il te paye chaque 25. Ce que tu fais n'est pas à but non lucratif. Ce que tu fais sur Meta n'est pas à but non lucratif. Tu n'as jamais levé un GoFundMe pour aider les démunis. Jamais. Tu es venu sur Zuckerberg, tu fais de l'argent. Et tu veux mettre ma salle avec du populaire. Tu mourras sur ton chemin. Tu es petite. Tu es petite. Tu dis que nous sommes les non-nêmes. Tu étais non-nêmes. L'autre t'a donné un nom. Laisse-moi parler. Pasto. Oui. Tu as revu le direct de la petite. C'est même pas une petite, hein. Parce que mon petit frère qui me suit à 33 ans, c'est pas un enfant. C'est une femme comme nous. Arrêtez de dire qu'on dit que c'est une petite soeur. C'est maman, comme nous ici là. Parce que moi, c'est un enfant. Comme tu as créé dans ta propre famille. Yo. Dans ta propre famille, tu crées le désarroi. C'est ce que tu fais. Le désamour. C'est ce que tu fais sur Meta. Lolo t'a fabriqué, ma chérie. Tu n'as rien dans la tête. Pourquoi? Avec quoi tu blasais, Lolo? Je dis, mais je t'ai écouté. Je ne t'ai jamais réellement écouté comme hier. Mais tu disais tellement d'énormité, je n'en revenais pas. Mais tu blases les gens avec quoi? Mais de quoi tu parles dans tes... Mais ma chérie, je veux qu'on se mette dans un débat au calme. Je t'écrase comme le piment du village. Je t'écrase comme le piment du village. Tu es vide, les toits caribéens. Vali, tu n'as pas apporté un grain. Vas-y, passe-toi. Tu ramènes ta page ici. C'est comme ça que vous êtes. T'en fais aussi partie des personnes. Hein? Yugu. On ne fabrique pas, ne prononce pas. Si tu ne viens pas avec ta page ici, hein? Comme tu vas souvent te balader chez les masses. Je bats avec moi, même dans le noir. Je t'écrase comme le piment. Pato, vu qu'on débat dans le noir, on ne me voit pas. Rêve. Je t'écrase comme le piment du village. Rêve. Ça ne fait pas. Rêve. Oui, Pato. Oui, s'il te plaît, laisse Julien placer un mot. Ok? Vas-y. Ici, tu ne montes plus ici. Hein? Donc, ici. Yo, Pasto. Yo. Vas-y, Julien, vas-y. Pasto, tu as revu le direct de la. J'ai revu le direct de toi qui vient hier. J'étais encore sidéré, en fait. Cette fille était chargée. Elle était vraiment chargée contre la team de Lomania, en fait. Elle s'est déchargée hier, elle a montré son vrai visage. C'est toi qui donne des gènes. Mais le manier ne te gère pas. Fais ton blog, fiche-nous la paire. On ne te gère pas. Samy n'est pas ton frère. C'est un Camerounais comme tout le monde. Nous, on pleure Samy ici. Mais tu exagères. Tu es exagéré, ma soeur. Tu es exagéré. Tu es très loin. Tu es très loin. On ne sait pas ce que tu as fait hier là. Tu es méchante. Arrête à m'amuser. J'ai des amis battants qui j'ai grandi avec eux. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils font. Toi, tu es méchante fille. Pleure ton sort toi-même. Parce que tu es insulté au gouvernement camerounais là. Tu es dans la base. Ne mélange pas les gens avec ça. Dans ta boue là. Tu es méchante. Traiter les institutions ici, hein. N'oubliez pas ça. C'est pour ça, parfois. Elle fait la basse. C'est lui qui est dans la basse. Qu'est-ce qu'on Cameroun en voit? Qu'est-ce qu'on Cameroun, non? Quand elle fait sa gueule derrière une bosse là. Qu'est-ce qu'on la basse? Qu'est-ce qu'on Cameroun on voit? C'est une femme. Pour Cameroun, non? Tu n'es pas fatigué, ma soeur. Tu es de la basse. C'est contre le président de la République. Tu manques. Maintenant, tu t'accroches chez Samy. Elle veut t'accrocher chez la mort de Samy pour montrer qu'elle est patriote. Elle est patriote. Ah oui. Elle manque.
Ah oui. La manipulation est terminée. Et là, on va la, cette fille-là, elle est mal qu'elle reçoit à notre team-là. Elle va lire. Moi, j'ai dit ça. Pasto, voilà, j'aide à Tangana. À Tangana dit que c'est maintenant que vous constatez. Moi, je l'ai su depuis. Tu t'es approché de Lolo pour la finir. Heureusement qu'elle est entourée de belles personnes. Elle est entourée du pasteur supérieur. Elle est entourée de belles personnes qui ne viennent pas vers elle pour sa visibilité. Lolo t'a fabriqué, ma chérie. Elle t'a donné un nom. On s'en fout, même. On s'en fout, mais qu'elle nous fiche la paix. C'est tout. Qu'elle nous fiche la paix. Son direct, Lolo a fait son direct. Son nom n'était pas prononcé. C'est deux paix, Lolo, qui m'a prononcé au direct là. Lolo, attends. C'est deux paix de nom qui étaient prononcées. Elle n'a pas prononcé son nom. Pourquoi c'est ça indexé? Pourquoi? Elle a compris ça avec qui? Elle a compris ça avec elle, mais ce produit brûlé qu'elle vend là. C'est clair. Ce produit brûlé qu'elle vend là. Elle fiche le camp au Camerounais. Elle nous fiche la paix. Elle n'est rien du tout. On nous avait donné un mois pour se déshabiller ici. Pour mon sens de la pommade. Et toi, Claire. Hein? Beaucoup de mois sont passés. Allô, ma bac, la pété, le maillot de bain de chat. Hein? Nous avons vu ça, non? Hein? Nous avons très bien vos produits là, non? Comment les furoncles ont disparu, non? Comment les boutons ont disparu, non? Arrêtez ça. Fiche-toi la paix, on te produit doucement. Ne prenez pas le nom de malheur dans ta bouche. Fiche-toi la paix, on te jette pas. Les bandes de cribi, pygmée, comment dire, moustique de cribi, fiche-toi la paix. Hein? Julienne, c'est un factuel qu'on va attaquer une fille qui ne pèse pas en argument. Vous savez pourquoi? On a parlé. Soyons factuels, parlons avec des arguments. L'argument la tue, ne l'insulte pas, laisse-la. Cette fille veut la compassion des abeilles, elle veut la sympathie des abeilles. Mais c'est pour ça qu'elle dit à elle veut que l'autre s'attaque à elle. Elle est là comme un moustique, comme un criquet qui est placé, je sais pas, qui n'a même pas de, ne sait même pas où s'abriter, elle parle aussi, tu n'es rien du tout. Tu n'as rien dans la tête, attends, Lorio, au titi ton lambo, au doubango du coussin, au bon moment, au qui elle est, au sambo. Partagez le direct. Au titi de Lambo. Ouais, samba de Lambo. Wende, quand Gingi. On dit, comment Gingi? C'est la mouche. Wende Gingi. Qui dérange? Gingi. Les cas qui viennent, tu ne fais que qui? Il y a Benzina. Pause de publicité, Pasto, permets-moi de faire la pause. Pour avoir un teint éclat, un teint éclatant comme rêve un piaï, utilisez la gamme fleur de l'âge de ce carimou. Et toi, tu fais une soirée encore, nous sommes sous toi. Tu vas devenir une dogue de l'époque quand tu viens. Toi, tu ne lèves pas. Je t'aime trop, et tu n'es rien. J'étais sidéré. J'étais ébelliqué. J'ai dit que c'est qui ça? Il y a les gens qui ne peuvent pas répondre à toi. Puis sur eux. Mais l'angala, c'est moi qui l'ai amené vers vous. Big up, big up, Gary, big up, big up.
Bon dimanche. Mais comment on peut faire ça? Allez revoir son direct de l'Olomania. Allez revoir son direct. Écoutez ce qu'elle fait là-bas. Elle est méchante. Elle a laissé son cerveau. Elle a laissé son cerveau en sommeil. Toi, tu as un cerveau. Tu as fait une heure, plus d'une heure de direct. Tu n'as rien dit de bon, ma chérie. Le tu n'as pas apporté de contradiction. Madame, madame. On ne l'a même madame. Pas prononcé. On ne l'a même pas indexé. Elle est venue mettre sa caméra, ouvrir sa petite bouche de bête de bête de bête de bête de je ne sais même pas quoi dire là. Madame, tu le résultat d'une autopsie n'est pas un secret professionnel. Je t'explique. Le résultat d'une autopsie n'est pas un secret proportionnel. Tu as mal parce que tu n'as pas eu l'exclusivité. Tu voulais avoir l'exclusivité du résultat de l'autopsie. La famille de Samy a ce résultat. Mon fils est cribé. La mouche est cribée. Je dis, j'appelle ça que la mouche est cribée. La mouche qui vole partout là. On ne te gère pas. Fiche tout le camp. Lola ne peut pas faire une sur toi. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Tu n'as rien. C'est gazelle. Moussine, tu te la paix. Je vais dire. Ça, non, ne te répondra pas. Grève. Oui, parce que. Grève. J'ai quelque chose à dire à l'étoile tribune. L'étoile tribune, tu vois donc alors. Tu dis que tu es trop maline. Tu viens ici avec. Calme-toi, vraiment, tu cries pour trop. Calme-toi. Tu vois donc, si tu me respectais, mon église, la première fois que tu viens parler ici, je ne te prends pas, je ne te prends plus. Si tu ne viens pas. Prends la, hein? Elle est déjà. Prends les bandes. Viens. Elle vient avec sa page. Je prends. Quel est ce manque de respect là? Hein? Mais, parce qu'elle est venue avec sa page pour faire une publicité. Pour avoir un tel éclatant qu'on rêve bien. Laisse-moi parler de Karimo. Vous n'avez pas compris son jeu? On utilise la gamme de sa marque. Tu arrêtes de faire la passe comme du lien zombie pour avoir une peau noire et peine. Brûlez là. Ne payez pas ces produits, ça brûle le corps. Voilà, avec son vrai corps. Pour avoir un peigne lumineux. Bonjour. Comme du lien zombie. Bonjour. De Karimo. C'est vous ne l'écrivez pas. Ce n'est pas ça le clash. Comme on utilise sa page là, ce n'est pas à dessin. Parlez de la gamme de Karimo. Et pour lui brûler. Ne payez pas ça. Achetez Karimo. C'est la meilleure. Brûlez de ça. Vous allez devenir comme les Congolaises là. Avec les rougeurs partout. Brûlez de ça. Et ce que ça ignore, c'est que quoi? Les abeilles, elles ont toujours cette petite conjugaison là que, hein, vous ne voyez pas au fur et à mesure que vous détestez nos querelles, elles ne font que monter. Au fur et à mesure que vous faites ça à Karimo, il y a Béra. Pastor, je suis fier de toi parce que tu ne parles au tribalisme. Cet acharnement, c'est que du tribalisme. Je l'assume. C'est le texte du tribalisme. Une dame vous dit, il n'y a plus de son. Pastor, tu m'entends? Je vais te parler. Toile avait un objectif de détrôner, de détruire toutes les blogueuses cribiennes. Tu veux détruire Natacha, tu veux détruire Lolo.
Et puis, on te dit dans ton direct que la paix Samy vous a apporté des vies. Ma chérie, tu ne feras jamais. Bon dimanche, Arrête, mais il faut vous calmer. Oui, mais calmez-vous. Il faut se calmer, Arrête, mais il faut se calmer. Il faut se calmer. Eve, tu vas demander à Karim de payer l'espace publicitaire que tu as fait tout à l'heure, là, chez le pasteur supérieur. Ben oui. Attends, tu viens faire ça. Tu fais la pub. Non, tu viens pas faire la pub de Karim aussi, la page de Pasto. Karim. On n'a pas besoin de ça. Oui, on n'a pas besoin, mais tu fais pas la pub de Karim aussi. Vous voulez avoir un tel éclatant comme rêve de Karim. Je dis ceci, il faut vous calmer. Les toits chrétiennes. Franchement, moi, avant, j'avais beaucoup de respect pour toi parce que. Mais quand tu as commencé tes directs, bien que tu étais dans l'autre camp, moi, je regardais de temps en temps, bien que tu étais de l'autre camp, mais je te soutenais parce que tu avais souvent certains combats que je trouvais nobles. Mais je vais te dire la vérité. Le combat. Mais quand elle était dans la base, moi je l'ai vue et j'ai vu ses prises de position ici là. C'est pas parce que certains patriotes se sont accrochés avec elle sur certains combats aujourd'hui qui pensent que le combat là est noble et que l'étoile qui vient n'est plus dans la base. L'étoile qui vient a toujours fustigé l'état du Cameroun. Elle a toujours fustigé l'état du Cameroun. Il faut dire la vérité. Maintenant, je vais dire. Je vais lui dire que vous avez pris, vous êtes nombreux sur le combat. Il y a VP de Londres. Moi, je vais pas mâcher mes mots pour prononcer le nom. Je prononce le nom. Il y a VP de Londres. Il y a One Love. Vous êtes les têtes de liste là. Des personnes censées qu'on connaissait. Vous avez pris. Fait et cause sur le combat de Samy. Vous aimez Samy, mais vous avez osé ternir l'image de Samy. Parce que quand vous lui prêtez des relations avec Karim, vous n'avez aucune vérité. C'est pas Samy qui est venu vous dire. Vous vous prêtez aux images de ce que vous voyez et vous avez dit des choses sur Karim et sur Samy qui est mort que vous défendez. Vous ne l'aimez pas. VP de Londres a créé un deuxième Samy parce que la première vidéo qu'on montre de l'accident, VP de Londres a dit que non, c'était pas Samy. Il nous a montré un autre Samy avec un autre vêtement. Ne faites pas ça. Mais donc, Matt, tu vois tous les analyses. On n'a pas autant. On est caché à la Non, l'arrêt, mais je suis désolée. On n'est pas venu clasher et toi, Kébien, parce que Pasto est venu dire la vérité. Je suis désolée. Vous placez la caméra et vous la clashez. On doit parler à l'étoile chrétienne. On parle à l'étoile chrétienne. C'est une sœur. On va parler à l'étoile chrétienne.
on va pas clasher les toits chrétiens, on va lui parler. Pour avoir un teint éclatant, utiliser la gamme Karimo. La publicité de Karimo, si tu demandes à Karimo de payer, c'est quoi? Non, elle doit payer. Tu peux J'ai écouté son direct et j'ai écouté le décryptage de rêve hier. J'ai écouté le décryptage et une personne, comme le direct qu'elle a fait, on décrypte et on la décrypte, on ne la clash pas. On décrypte et toi, chrétien, on ne la clash pas. Non, si on est silencieux, on n'a pas peur de vous. Hein. C'est parce qu'on se réserve. On n'est pas marié au foyer. On protège nos familles. Parce qu'on a peur de vous. Non, Cameroun a la bouche. On ne clash tout pas les toits chrétiens. On décrypte les dires de l'étoile chrétienne. On ne va pas la clasher, on va décrypter l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne n'est pas, elle n'est pas l'ennemi. Elle est une sœur. On va la décrypter. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non. C'est pas ton ennemi, moi, elle est mon ennemi. C'est la paix, c'est un adversaire. Vous n'avez pas identifié vos ennemis, moi je les identifie. Julien Zombi, si tu veux clasher, toi que bien tu places la caméra, mais laissons des. Je ne suis pas d'accord avec ça. Non, Yoyo, tu n'as pas clashé de toi que bien hier. Tu l'as décrit. Écoute-moi très bien. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce que tu me dis, c'est que je dois faire dans ma vie. Je parle de parce que c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon tout. C'est pas comme je veux. Donc, elle, je vais mon message. Je ne sais pas comment tu vas faire. Mais et toi, tu mets ce qu'elle a fait. J'ai dit ça ici. Tu passes tout. C'est bon. Samponné dans mon direct. Tu vois comment la diaconette se défend, non? Ah bon, c'est pas comme je veux. On sent toujours là en train de vous défendre. Hein? Parce que je suis à l'aise sur toi comme je veux. Donc, dis ce que je veux. Je ne dis pas non. La remède de l'Oumania. Ce que tu ne comprends pas, c'est que. Oui. Et toi, Cribien, ne mérite pas qu'on la clashe. Elle mérite quoi? Elle mérite qu'on lui parle. S'il vous plaît. Vous êtes à l'église ou pas? Vous êtes à l'église? Vous êtes à l'église, oui ou non? Vous êtes à l'église, oui ou non? Oui. Alors, vous venez à l'église et vous voulez faire du sale. À l'église, on parle. On dialogue. À l'église, on parle et on dialogue. Et vous parlez à l'étoile chrétienne. Parlez à l'étoile chrétienne. L'étoile chrétienne, rêve un bien éduqué. Je te veux dans un débat. Non, Marc, À l'église, on ne peut pas rentrer dans les clashs à l'église. C'est ce que je dis, qu'à l'église, on peut parler moi, je vous laisse alors, je me laver, je pars le dimanche, je passe ce que je dis, parce que Marthe est venue dire que c'est l'église. Moi, je suis venue casser Angala parce qu'elle me sort de partout, parce que l'Angala, je l'ai monté, je l'ai soulevé sur le manège jusqu'en haut. Mais comme Marthe est venue calmer la femme, elle dit que Eric dit que le pasteur de l'église lui-même, il est un clasheur. Non, parce que moi, il m'en dit, mais Marthe, comme tu es comme c'est dimanche, comme tu es venu à la sainte de Marie aujourd'hui, là, moi, je laisse, moi, je m'en pardon. Non, Julien Zombi, non. Julien, Namala, tu ne clashes pas les gens. Moi, je ne suis pas là, les clashes. Non, Julien. C'est que la gala non, Julien, vous ne comprenez pas. C'est que la gala fait. Que... Non, Matt. Matt, je suis remonté. Je ne peux pas. L'Angala, je te lance. Je veux comme ça, la femme me connaît, sans la connaître. Ni de près ou de loin. Parce que c'est une fille qui vient. Je te lance comme ça en haut. Mais c'est pas un peu de non. Ah. Oui, dans les plats.
Ils sont au pays. Je m'en vais pas tôt parce que moi je ne crache pas les gens. Mais la gars là, même avec les mecs, j'apprends. J'accrache en deux morceaux parce qu'elle veut manquer le respect à ma team. Je ne peux pas faire ça. Je les crache avec mes mecs, pas tôt. Elle a vu qu'elle a écrasé Natacha avec ses mains. De l'Elomaya dit que hein, elle aussi, elle sent qu'elle va caler en l'air, que qui t'a mis la prochaine fois que la moustique de Kibi là qui vole en l'air partout là, la mouche là va pas de manière à faire attention parce qu'on va trop laisser. Je dis laisse la main, je veux plaider, laisse la main, non, mais le tout c'est la Carole, tu peux pas dire que je fais n'est pas bien, Carole. Moi, je dis qu'on n'a pas besoin de la clasher, on a besoin de lui parler, mais pas de la clasher. Comment vous faites ce que je fais n'est pas bien? C'est depuis longtemps qu'elle voulait faire ça. C'est depuis longtemps. Je peux dire que Lolo nous a toujours calmé de ne pas faire de sortie. Bien sûr. Mais pourquoi tu crois que Et pas de crip là, derrière toi, il serait star. Bruce, il n'est pas gros, il n'est pas aussi maigre. C'est tout. Il n'est pas gros, il n'est pas maigre. Alors, quel manque de respect. Hein? Vous embrouillez les cerveaux des Camerounais. Avec mépris, elle n'est pas super intelligente. Elle a fait plus d'une heure de direct. Mais c'est pourquoi je vous demande donc de lui parler avec ce même mépris. Mouna moto moi équipe wo a engi ya we habite po bwam yo ala abonné pour ja ou bien partager mon ne dit ni mon te ni et toi qui viens pour la wenge sim nyenge Vous devez lui parler. C'est ce que je vous demande de lui parler. Tu vois l'étoile bien. Je suis à l'église. Aujourd'hui, c'est dimanche. Oui. C'est à la tête de ma mère qui est mort le 31 juillet 2022 que tout le monde m'a soutenu ici là. C'est juste à la tête de ma mère. Je serai star derrière les toits qui viennent. Alors, il faut dire, papa, derrière elle, je reste parce que moi qui la mère, j'ai fait des BI. Derrière elle, je reste star. Quelqu'un cache encore, c'est une femme qui cache encore les BI. C'est une femme. Il y a mis un défi. Moi, je vais m'asseoir sur elle. Ce que je vais dire à l'étoile qui vient, c'est que
vous avez, je ne sais pas, vous devez avoir un groupe où toi et toute ta bande là qui est dans ma chaîne de justice pour Samy là. Vous êtes passé le mot. Vous tous vous êtes levés hier. Vous tous vous êtes levés hier pour insulter. Laissez-moi parler, non. Laissez-moi parler. Vous êtes levés tous hier pour insulter Lolo. Vous tous, Elise Battante, dans ton direct, tu étais méprisante, salissante. Mais tu connais quand même la force de frappe de Lolo, Elise Battante. Alors... Laissez-moi parler, Julienne, s'il vous plaît. Moi, je prononce les noms. Moi, je prononce les noms des gens. Et là, qui ça va? Elise Battante, tu as fait du sale. Et... Lolo a donné son avis, comme vous avez donné vos avis. Mais vous vous êtes levé sur elle. Chacun a placé sa caméra pour parler à Lolo. Sachez une chose, j'ai envie de vous dire, comme vous êtes Camerounais, c'est comme ça que Lolo est Camerounaise. Quand une affaire arrive sur la toile et que les gens parlent et que vous ouvrez vos gueules pour parler, c'est comme ça que Lolo ouvrira la sienne. Parce que vous avez pris pour habitude que dès qu'une affaire arrive, dès que Lolo l'ouvre, vous allez vous asseoir, vous placer les caméras pour insulter Lolo. La prochaine fois que vous le faites, nous tous on va vous insulter. Mais là, tu t'en prends ça comme tu veux. Allô? Vas-y, ma, vas-y. Je dis la prochaine fois, nous, on va commencer à vous insulter aussi. Parce que ce n'est pas normal ce que vous faites. Vous vous êtes libre de prendre de vos caméras et dire tout et n'importe quoi. Vous attaquez même, vous insultez même les hommes d'État. Vous insultez les autorités parce qu'ils ne marchent pas comme vous voulez. Vous allez très loin. Mais quand une autre personne l'a pas, est-ce que quand Lolo a pris la parole avant-hier, elle a dit quoi de mauvais? Elle a dit quoi de mauvais? Vous commencez les histoires de pipi. Elise Battante, tu pisses. Tu pisses et bien même. Vous restez dans l'insulte. Quelle est manipulatrice? Les manipulateurs, c'est vous. Parce que depuis que Samy est décédé, toi, Elise Battante, tu as sorti tu as pris la photo de l'enfant de Karimou. Et tu l'as comparé à la tête de Samy. Tu l'as comparé à la tête de Samy. Votre Samy, il était quoi? Il était superstar? Pour dire que Karimou, sans lui, sa Karimou ne pouvait pas vivre. Et, excusez-moi d'utiliser ce langage, mais vous exagérez à la fin. Laissez ce garçon reposer en paix parce que vous ne l'aimez pas. Je dis, vous ne l'aimez pas. Arrêtez vos manipulations. Vous ne l'aimez pas. Mais vous allez faire, les Camerounais ne vont pas le pleurer. Les Camerounais ne vont pas le pleurer. On a déjà vu les photos de Samy sur vos pages. Quand Samy vivait, il faisait sa comédie. Qui a partagé? Vous avez partagé ces choses un jour? Vraiment. Aujourd'hui, vous savez que c'est votre fils? Il faut arrêter vos sorcelleries que vous faites là sur la toile. Allez-y. J'ai dit, la moustique qui vole aller à l'air là, qui va pas être son fils, qui va pas mettre ça, qui va partout là. Les lomas ne gèrent pas. Le là, avant-hier, on ne va pas prononcer ton nom. BP de Londres, je suis d'accord qu'on a fait son nom. Je vais te plaindre. Pourquoi on ne va pas prononcer? Ton direct que tu as fait hier là, c'est pourquoi? Pour dénigrer quoi? Tu n'es rien. Tu te yom. En doigt là. Ton lambo, tu te lambo ndore. Au sein d'Inandie. Biga. On a pas nos Facebook. On a pas Facebook. Ton lombo wanika. Mala quoi l'on a partagé direct yongo. Au sein d'Inandie. Par quoi on est là? T'as pas quoi la vue? Ma boy son. Ma boy son. Le cas toi qui viens. Donc plus jamais, quand tu fais des digues de pronoms pour le mania, on ne te gère pas. Ok? L'enfant de Samy, qui est au Cameroun là-bas, son enfant, la rentrée c'est en septembre, envoie lui les dons, envoie tout pour l'enfant là. Comme tu aimes toi Samy là, envoie tout! Jusqu'au basket, envoie. Tu as fait ton digue hier, tu as parlé. Tu as mis Lolo mur.
J'ai honte à toi parce que Lolo, tu as toujours considéré comme une soeur. Parce qu'on parle de Kribi, Lolo a le cœur pour le peuple, pour sa mère. Là où elle est née, son cordon ombrital a été intégré à Kribi. Elle considère ça. Mais toi, tu es méchante. Tu parles de Dieu. Dieu a fait que. Dieu a dit que. Mais vraiment, ma soeur. Une méchante fille. Quand ils t'ont dit, j'ai eu la chair de poule. Je ne clash pas les gens. Je ne parle pas des gens parce que moi, je m'en fous. Je me suffis. Ma petite vie que j'ai. Petit que j'ai. Ma petite maison que j'ai. Je suis fier de ça. Je n'en dis pas les gens. Ça, je suis encore avec Lolo. Parce que Lolo peut me dire, je suis de 100 000 euros. Je m'en fous. Mais toi, là, fais attention. Parle plus de nous. Fais ton blog. Ne parle plus de nous, s'il te plaît. On ne te gère pas. Tu es de la basse. Je dis ça à tout le monde qui m'entend. Tu es de la basse. Quand tu veux mourir, mets une place. Ne lâche pas les gens. Pourquoi tu me donnes même trop d'écoute? Quand tu pars, tu donnes n'importe quoi. Laisse-toi te dire ce qui. Je vais mettre ma grande soeur qui est à Douala en plein Daido. Elle est clashée en Douala. Et toi, Kevin, tu peux pas dire que Rêve est jalouse de toi. Je suis désolée. Elle est jalouse de toi. Toi, tu es jalouse de toi. Vous avez des vies différentes. Mais pourquoi jamais tu es jalouse de toi? Il faut arrêter de me dire. Chaque jour qu'on est sur le bloc, on apprend des choses. Tu es jalouse, Natacha. Tu es jalouse de Lolo. Mais Julie, tu es jalouse de Lolo. Elle a prouvé au monde entier que tu vends le piment. Elle a prouvé au monde entier que tu crées le désamour dans ta propre famille. Elle a prouvé au monde entier que tu veux détruire toutes les blogueuses qui viennent de produire. On est jalouse de toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu as quel niveau pour dire qu'on est jalouse de toi? Lolo t'a fabriqué, c'est ma soeur. Tu viens de notre école, l'école de ma famille. Tu sors de l'école d'un biaï, c'est Lolo qui t'a fabriqué. Tu as compris? Donc tu es ma chaussette. Tu es ma chaussette. Tu viens de mon école, l'école de ma famille. Ma soeur, c'est moi. Tu as compris? Tu parles de quoi? Tu l'as approché pour la détruire. Mais moi, je suis venu pour le faire. Avant que je ne fasse cette directe, elle t'a fabriqué. Tu as compris? Et tu as la base, tu as tiré la population parce que tu insultais le gouvernement camerounais. Tu déniquais le gouvernement camerounais. Et toi, Kébienne, arrête tes bêtises. Rêve, fait son blog. Elle n'a pas besoin d'être fabriquée. Elle demande que Lolo doit la fabriquer. Rêve est venue sur la toile pour défendre sa sœur. Pour défendre sa sœur contre des personnes comme vous, là. Contre des personnes comme vous. Rêve n'a pas besoin d'être fabriquée. Elle n'a pas besoin. Elle est venue sur la toile contre des personnes comme vous. On va te combattre. Une femme qui est pour les blancs qui sont démunis. Yo, c'est pour les travailleurs, les compétents. Mais celle-là, il n'y a pas. On va la combattre. Maman, je ne faisais pas le bloc que l'autre a fabriqué. Tu sors de l'école d'un piaï. L'internet, c'est que tu sors de l'école d'un piaï. Ce sont les piaï qui t'ont mis dans la lumière où tu es. Les pages de rêve ne sont pas monétisées. Va regarder ces pages. Elle ne vit pas pour le blog. Elle ne vit pas pour le blog. Il faut arrêter ça. Honte à toi. Monsieur Bagangélé.
On dit que toi, on t'a récupéré, le calja, le gibi. Allons voir. Allons. Laisse-moi parler avec le thème. Qu'est-ce qui veut dire gérer la juridiction de Yaoundé? Tu voulais dire quoi par là? Tu dis que M. Bakankele gère la juridiction de Yaoundé. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par là? Comment tu peux étaler ta bêtise? C'est des connaisseurs. Ils sont des connaisseurs. Des enquêteurs. Ils sont connaisseurs et enquêteurs en même temps. Le délégué général à la sécurité nationale a quoi voir avec la jurisprudence du Cameroun? Tu es vide. Tu es vide. Bakankele gère la juridiction de Yaoundé. Tu parlais de quoi? Il gère toute la police. Il gère toute la police nationale. Il est le délégué général. Il ne gère pas seulement la police de Yaoundé. Donc la police de Kribi que tu as indexée d'être corrompue là, il les gère aussi en même temps. Vous qui dites que vous avez fait l'école. Allô, allô. Qui gère la juridiction de Kribi, honte à toi. Il n'y a personne qui gère la juridiction de Kribi. Dans un pays, n'importe quoi. Tu dis, est-ce que, tu demandes à Lolo que, est-ce que l'hôpital de la caisse t'a donné la permission de diffuser ce reçu? Lolo, laisse-moi parler. On est sûr que c'est pas le moment. Est-ce que l'hôpital de la caisse lui a donné la permission d'utiliser le résultat de l'autopsie? Ma chérie, le résultat de l'autopsie n'est pas un secret professionnel. Le résultat de l'autopsie n'est pas une pièce à conviction. Le résultat de l'autopsie peut être diffusé quand il a été remis à la famille. La famille est libre de faire le résultat de l'autopsie ce qu'il veut. Il peut même être passé en communiqué presse. Le résultat de l'autopsie peut être passé comme communiqué presse. Ce n'est pas un secret. Tu es jaloux parce que tu n'as pas eu l'exclusivité du résultat de cette autopsie. C'est ça qui t'a sorti, qui t'a fait sortir de toi. C'est ça qui t'a fait, tu as perdu le contrôle. Vous n'avez personne de vous qui n'a eu le résultat de l'autopsie. Il n'y a que Lolo et Lolo. Il a seulement entendu, il n'a pas eu. Elle peut avoir une copie du résultat de l'autopsie. On ne poursuivra jamais Lolo. Petite idiote, tu as compris? On ne poursuivra jamais Lolo pour ça. Parce que le résultat doit être public. Pour commander les produits des balles de Kribi là, les boulets là. Troisièmement, ma petite, écoute-moi très bien. Vous tous qui font la pub sur la page du compte, vous avez payé. Quand tu dis dans ton direct que bienvenue à Lolo, tu la cour des grands, ils sont pas politiques. Qu'est-ce que tu connais de la géopolitique? Tu as quel niveau pour parler de géopolitique? Tu as pris le droit où? C'est l'ouverture ou pas? Tu as pris les notions de droit où? Pour nous dire que bienvenue sur la Moustique. Tu vas me mettre où? Tu es bête. Parce que déjà, tu as voulu faire croire à Lolo que comme elle a diffusé les résultats de l'autopsie, elle pourrait avoir un problème. C'était faux. Vous avez mal parce qu'elle a eu l'exclusivité. Tu ne peux pas venir mettre ta soeur à la fédération populaire et croire qu'on va te caresser. Je ne suis pas du genre. Karimo ne t'a rien fait. C'est une dame qui a voulu aider un compatriote. Et même si elle a eu une relation avec lui, ça c'est quoi? Elle est mariée? Non. Peut-être maintenant, elle n'était pas mariée avant. Ça fait la septième fois que tu mets l'eau à la petite. Tu n'arrives pas à me dire que le patriotisme, merde, tu peux étudier où? En fait, il a dit comme ça. Allô, du calo, et pas à tous les savoirs, doigts là, tu dois obéir.
Il y a une moustique à cribi, il y a le, une mouche à cribi qui dérange les gens. On n'a pas les toits qui viennent. Allô, allô. Les produits, les toits qui viennent brûlent les gens. Brûlent le corps des gens, brûlent le corps de l'Omania. Brûlent le corps. Je suis un peu subjuguée. Je suis un peu subjuguée parce que Lolo, un moment, a cru quoi? Que quand tu parlais, ça l'impressionnait. Ma chérie, tu ne parles pas mieux que Lolo. On va venir seulement étaler ta bêtise comme on l'a fait hier. On va venir étaler ta bêtise au monde, à tes followers, comme on l'a fait hier. Tu as décidé de t'écouter. Tu as beaucoup de nervosité. Je dis beaucoup de nervosité dans tes lives. Tu as décidé de décrypter tes lives. Je veux voir pour toi. Léo, moi je vais partir, je vais laisser avec Matt et Rêve. Moi je dis que le produit qui brûle le corps des gens, même arrêter, ça brûle le corps du lait, comme le savon, comme le savon. Et toi qui dis, tu es mal. Le produit qui brûle le corps des gens, là, tu viens de comme le savon. Tu viens le gros. Au lieu de ramener ta page, tu viens jolie la belle. Le corps brûlé. Je ne suis pas du Cambindo. Hein? Lolo, laisse ça. La fille Angala, elle a fini hier. Lolo est là au direct, là. Elle a fini hier. Le corps qui brûle les gens là. Tu brûles même. Et pas le cribi. Lolo, qui est au direct là. Tu as, elle est au direct là. Les comptables jugent pas. Vous-même aussi, vous pouvez quitter. Hein. Comme elle est sur sa vérité, vous-même aussi, vous pouvez quitter. Vous lui demandez de venir, de quitter le direct. Elle est sur sa vérité. Vous-même, quittez le direct. Qui est sur votre page, les comptables jugent pas. Allez ailleurs. Le quota du Japon. Allez ailleurs. Comme vous êtes sur la vérité. Pasto. Ton petit Julien, s'il te plaît. Pasto, parle au quota du Japon qui sont en train d'approuver ce que l'étoile chrétienne a fait. Ils sont sur la page. Qu'elle aille ailleurs. Quand moi, je quota du c'est le quota du Japon, il y a une seule personne vulnérable là-bas là, qui est attachée dans les noyaux. Parce que celle-là, il ne sait pas comment écrire là-bas que tu es sur ta vérité. Hein? Allez ailleurs, qui vient sur vos pages. Quand tu vois Tatiana Mimbang, hein, une gars qui ne respecte même pas son nom, Mimbang, ça veut dire les noyaux. Hein? Elle est partout. Ouais. Elle a frappé l'autre jour. Elle est là. Nya, 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 nya. Moi, je te dis, les publications que tu fais sur ta page, là, vaut mieux se focaliser sur ça. Voilà. Parce que je vois que c'est ton couloir. Petit parvenu. Basso, les gens qui vont me parler, il ne faut pas les gérer. Lolo, je te réponds à ça. Lolo, toi et moi, on fait tous les jours. Même cette nuit, on a causé à 6 heures du matin. Mais il y a des choses que tu fais. Je connais que je me réserve, je ne suis pas mariée. Et je ne suis pas mariée. Mais aujourd'hui, là, il va sortir du droit parce que c'est trop. La mystique de Kibi, là, elle est exagérée. Tu comprends, non? Elle est exagérée parce qu'il faut la mettre à sa place. Je m'excuse pour le direct d'aujourd'hui, là. Elle est intervenue, mais elle est exagérée parce qu'elle est très loin. Bonjour, Tatiana. Elle est arrivée au niveau des vues. Ouais, alors, de répondre à Lolo, dis donc qu'elle dérange les gens. Je ne sais pas. C'était là à côté de moi. Quand ma mère mourait, c'était là. C'est ma mère, mon nom est Jacques. Je ne connaissais pas encore bien. Alors, on apprend les gens.
Qu'est-ce qu'il y a une grande soeur? Quand je suis arrivé au corps de ma mère à l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, maman était en santé et elle ne savait pas qu'elle devait mourir. Il n'y a que moi et toi qui sais que maman devait mourir dans 3 mois, même pas 2 mois. Maman est décédée en même pas 2 mois. C'est avec moi. Je te le dirai au passé, tu pardonnes. Mais qu'est-ce qu'il a? Moi, c'est que la femme est tuée. Elle est sainte parce qu'elle est méchante. C'est pas une tracheuse. Mais aujourd'hui, c'est venu intervenir et dire pour parler. Très bien. Fais à volonté. N'est-ce pas, papa? Attends, fais à volonté, c'est cette école qui vient. Et donc, tu viens de Marie n'aime pas les clashs. Mais je ne vais jamais la laisser. Je ne suis pas une cacheuse, hein, je veux dire. Mais pour cette affaire-ci, toi, tu veux ce qu'elle a fait hier, là, elle me sort de partout. Elle fait qu'elle demande des excuses publiquement au Lulmania. Elle a mal fait. Pose ton respect. Demande son pas là, on est caché derrière, on fait des actions. Derrière de l'humanité, il y a les grandes dames. Ton respect est imposé. Toi, tu es un cœur de ta mère. Mais ta mère est morte depuis. Mais nous, on est là pour toi. Moi, je viens de faire papier, fait des erreurs. Je connais mes erreurs. Mais aujourd'hui, là, pour commencer la chose, je connais mes erreurs. Mais aujourd'hui, je demande pardon. Je fais le pardon là. Et toi, tu veux dire. Une fois. Demain, mes enfants, Jordan, Banca, qui est un petit, mais franchement, je suis prêt. Tu as vu la bagarre, tu as vu que tu es à Berlin pour toi, l'eau. À Berlin. Tu n'as pas besoin de parler. Tu es bien avec pour toi. Mais cette fille, elle est très bien pour elle. Elle voulait te vendre au gourmand cabournais. Mais je dis non. Non, la manipulation. Samy, c'est un Camerounais que tout le monde aime. Même moi, je vais vous laisser. Elle est très loin de mettre au marché populaire. Elle est très loin. Et c'est une ingrate. Quand tu continues, tu ne peux pas être fidèle. C'est moi qui, moi, je viens de son but. Bien. Je vais venir aux enfants de la date. C'est quelque chose aujourd'hui. Je n'assiste pas ça de nous. Je ne peux pas être fidèle. Je ne peux pas, c'est tout ça. Même si quand les gens me cachent partout, je m'en fous. Mais elle n'a pas laissé. Elle a demandé pardon de ma manière. Elle allait trop loin de l'eau. Tu as trop soutenu en ville là. Tu as trop aimé. Mais hier matin, tu as quoi aimé? Mais elle allait trop loin. Je ne parle aujourd'hui. Tu la merdes. Sa famille, j'ai niqué tout sa race. Et toi qui mets et sa race, je la nique partout. Donc, tu es une fille de bonne cœur, on ne te connaît pas. C'est quand on t'approche, on te connaît. J'ai niqué tout sa race parce que tu la défends jusqu'à quand et rentre jusqu'à des mots, tu la défends. Mais cette fille, elle est trop loin. Je m'en fous des faux profils. Moi, je suis une vraie profil. Je me suis assumée et mon mari, et mon mariage, et mes enfants, et ma famille, tout le monde te connaît. Partout, ma famille connaît ton nom. Julien. Aujourd'hui, et Julien. Toi qui veux ton bouquet à payer, la nouvelle est exagérée. On ne peut pas faire ça. Elle est une fille sur les Kibiennes. Elle est vendue dans le marché populaire. Elle est méchante. Julien. Il est Julien. Il est 12h10. J'ai travaillé ce matin jusqu'à 9h. Moi, je vais travailler à 6h. Tu vas être plutôt aller dormir. Mais il faut que j'interdis par rapport à toi. Tu peux te protéger, Lolo. J'ai fait des erreurs, mais elle est méchante. Elle est méchante. Elle est ingrate, elle est méchante.
Même hier matin, tu as protégé encore devant moi. Je me dirais que la payer, c'est un fichier qui est un fichier plus que nous. On ne va pas parler de manière, on va enchaîner les gens. On ne peut pas. Sans toi, on peut les gens. Et bien ton mur. Moi, je parle de mur. Je m'en fous de mon mur. Tu sais comment je gagne tous les mois dans Facebook et dans ma vie privée. Parce que ma vie privée, c'est comme ça. Comment je gagne ma vie, c'est que je gagne moins de 3 000 euros, plus de 3 000 euros pour moi. Comme moi, je gagne. Je m'en fous. Mais elle, là, elle a demandé l'autre. Elle a fait un panneau de l'humanité. Elle a trop exagéré l'autre. Tu ne peux pas aller. C'est ta mort. Comment on est ta mort? Je vais être ta mort. Tu as les défauts, les qualités. Tu es impulsif. Tu es impulsif. Il ne faut pas accepter. Tout l'humanité a vie. Mais je ne peux pas accepter. Moi, je décide. Être le mania, mais c'est toi qui viens et la fait pour. Je ne peux pas accepter ça. Je vais demander pardon au mania. Tant que c'est toi qui vas demander pardon au mania, ça va continuer. Ça va continuer direct et direct. C'est comme ça. Donc je vous demande pardon si je suis comme ça aujourd'hui. Pour remonter parce que c'est moi qui a mené cette fille, fait les vieilles. Moi, dessus, pardon à tout le monde, pardon à tous mes erreurs, pardon à tout le monde, et bon dimanche à tous. J'ai une chaîne terminée. Vous êtes toutes parties. Elles sont toutes parties. Je ne sais pas. Bon, on dit quoi? Ça dit quoi? Les toi qui viennent, tu sais, tu es une personne, moi je... Et même ce que tu fais là, tu as toujours caressé, tu comprends, non, les abeilles. Même quand tu vas chez Amer, je sais, tu comprends. Mais au lieu de souffrir comme ça là, il faut faire comme les décors que tu as. Ok? Quand tu dis que bon, voilà, ta 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 ta, il faut souvent arrêter ça. Ton dia là, tu as décortiqué, tu as même prouvé par A plus B à tes clients là que oui, Lolo ne réfléchit pas. Hein? Est-ce qu'elle comprend même, hein, ce qu'elle est même en train de raconter? C'est comme si tu parlais à une gamine, quoi. Hein, tu comprends? Hein? Plus qu'une gamine, elle a parlé, c'est comme si c'était son enfant à qui elle s'adressait. C'est plus qu'une gamine. Quand Rêve a décortiqué hier, c'est comme si elle s'adressait à son enfant. Il ne faut pas prononcer les noms. Et puis tu vois des ignares qui viennent la soutenir. Vous venez soutenir quoi? Vous venez dire qu'elle est dans la vérité. La vérité de quoi? Sans venir dire que je suis pour Samy, que vous aurez cette justice-là. Vous restez sur la toile pour dire je suis pour Samy. Regarde-moi des bâtards là. Je suis pour Samy. Je suis pour Samy. Vous aimez et Samy? Et c'est son l'habitude, hein, de dire que oui, les gens ne travaillent pas. Les enquêteurs, vous êtes là, vous réclamez les enquêteurs. Et une fois les enquêteurs sont déjà en plein taf, vous venez encore décrire ça. Est-ce que là, sur Facebook... Parce qu'elle a parlé des vues hier, que Lolo aimait par rapport aux vues. Mais c'est elle qui fait des vues depuis. C'est le bande là qui font les directs pour des vues depuis. Wanlove a déjà acheté tous les appareils de direct. Ouais. Il a acheté tous les appareils de direct depuis que Samy est décédé. Il a déjà acheté tous les appareils avec l'argent qui entre de la monétisation. Il a déjà acheté tout. Elle-même là, c'est peut-être parce qu'elle est radine. Tout l'argent que tu rentres, vous avez déjà envoyé combien à la famille de Samy? Vous avez envoyé combien à la famille de Samy tout l'argent que vous êtes en train de manger là sur la monétisation là depuis que vous faites des directs sur Samy, soi-disant que vous aimez trop Samy. Vous n'avez jamais partagé son talent. On n'a jamais vu ses vidéos sur vos pages, jamais de la vie. Aujourd'hui, vous venez nous faire croire que vous l'aimez. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Quand on aime quelqu'un, on ne le salit pas. Et c'est en ce moment que j'ai dit, je ne peux même pas croire en vous parce que vous salissez la mémoire de quelqu'un qui est décédé.
Vous utilisez les photos de quelqu'un pour commencer à rapporter des conneries. Des conneries. Des conneries. Et puis, même si Samy était sorti avec Karim, ça fait quoi? Il est un homme, il est une femme, non? Ça fait quoi? Vous venez raconter ça, ça sert à quoi? Ça fait quoi? Vous nous dites qu'il n'y a pas eu accident. On montre les images, vous dites non, il n'y a jamais eu accident. Vous allez nous sortir un autre métis. Vous dites que c'est le métis là qui était là-bas. Mais vous êtes sérieux? Mais vous demandez les comptes à Karimou. À quand vous allez demander les comptes à l'hôpital de la caisse? Vous tous qui parlez, personne n'a jamais demandé les comptes à l'hôpital de la caisse. Juste à ce qu'on insiste que faites l'autopsie. Vous êtes venu nous dire qu'on a enlevé les reins. Vous êtes venu nous dire qu'on a enlevé les reins, que vous voulez les reins. Oh, oui, pasteur. Beaucoup de gens, ils disent qu'ils ont créé une psychose avec cette histoire-là. Hein? Ben oui, ils ont dit que le mari de Karim était un trafiquant. Il était un trafiquant. Maintenant, l'autopsie dit que Samy a ses deux reins. Venez, vous ne venez même plus nous dire que non, vous avez fait une erreur. Tu prends encore ta caméra, tu viens placer ta caméra pour parler à Lolo. Toi qui pour parler à Lolo, mon Dieu? Voilà. Toi qui, mais, et toi, chrétienne, tu es sorti d'où pour venir parler à Lolo? Tu es sorti d'où? Tu es sorti d'où pour venir parler à Lolo? Tu te permets de parler à Lolo et tu lui parles de quelle manière? Tu lui parles de quelle manière? Est-ce que quand Lolo a fait son direct, elle t'a interpellé? Je pense que tu t'es senti mouché. Et c'est pourquoi tu t'es mouché. Tu t'es senti. Et tu t'es mouché. Parce que ça. Mais voilà ce qu'elle venait de dire tout à l'heure. Elle dit que Lolo, la sortie de Lolo, c'était pour nous décrire. Décrire les qui? Mais eux qui sont dans le combat. Le combat. Pendant que les enquêteurs sont assis à Yaoundé, vous êtes assis sur, chez Zuckerberg en train de faire les enquêteurs. Tous les jours, tu nous dis, tu as ton informateur à Kribi là-bas. Tu as ton informateur là-bas. Tu as ton informateur là-bas. Mais l'informateur là, alors, ne va pas donner les informations aux enquêteurs. Il n'a pas donné les informations aux enquêteurs. Parce qu'en fait, vos enquêtes, c'était pour amener Karimou à la case de prison. Jusqu'à présent, Karimou est là, Kribi. Ce que sache, tes enquêteurs là, alors c'était pourquoi? Tes informateurs là, c'était pourquoi? Donc, pour vous, vos enquêtes tournaient sur Karimou. Vous n'avez même pas cherché la vérité. Pour savoir ce qui est arrivé à Samy quand il est arrivé à l'hôpital de la caisse, vous n'avez pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Toute votre vérité était basée sur la condamnation de Karimou, l'arrestation de Karimou. Voilà où on ne peut pas vous soutenir dans votre faux. Vous ne faites que demander les comptes à Karimou. Karimou a fait la médecine, jamais. L'enfant a été pris en charge à l'hôpital. Mais vous demandez à Karimou les rapports. Toi, tu dis que tu as eu Karimou. Elle n'a pas dit si, elle n'a pas dit ça. Elle a dit si, elle n'a pas dit ça. Mais quand tu appelles quelqu'un, elle est paniquée dans tout ce qui arrive là. Elle peut dire quelque chose et le contraire après. Parce qu'il y a un truc qui est arrivé. Elle travaille avec quelqu'un. Et un truc comme ça arrive. Même toi, même sur le coup, tu seras paniqué. Tu seras paniqué, tu seras dépassé. Mais vous pensez que Karimou a toute sa tête après tout, après cet événement, qu'elle va venir te répondre A et elle va venir répondre B après. Mais vous exagérez à la fin. Si on met Karimou en prison, tu auras gagné quoi? Si on met Karimou en prison, Samy va se réveiller. Samy va se réveiller, chercher plutôt à connaître les causes de la mort de Samy. Les causes, je dis bien les causes. Les causes. Comment ils vont nous, les causes? Hein? Ils ont pris les avions pour aller, ne serait-ce que à Kribi. Non, hein? Il reste sur les... Mais pasteur, il n'est pas mort à Kribi, il est mort à Yaoundé. Il est mort à l'hôpital de la caisse. Pourquoi on a fait... Pourquoi eux tous, ils font les discours? Ils évitent de prononcer de l'hôpital de la caisse. Les médecins de l'hôpital de la caisse, vous les évitez. Oh, Dieu connaît bagage qui est lourd. Vous savez que là-bas, vous ne pouvez pas. Vous tapez sur celle sur qui vous pouvez taper. Vous savez que vous tapez là-bas. Même ici, là, on va vous prendre. Même ici, on va vous prendre. Non, vous ne tapez pas là-bas. Laissez le médecin de la caisse. Ceux qui ont opéré Samy, laissez-les.
et ils vont s'en sortir. Et il y aura encore d'autres qui vont s'en sortir, qui vont mourir, et ils vont encore s'en sortir. Vous ne cherchez pas à savoir ce qui s'est passé à l'hôpital de la caisse. Vous ne demandez pas les explications aux médecins de la caisse. Ils ont pondu un communiqué. Mettez-leur la pression, qu'ils vous donnent les vrais résultats. Ce qui s'est passé, non. Vous vous acharnez sur Karimo depuis près de 2 mois. Depuis près de 2 mois. Pendant ce temps, les médecins de l'hôpital de la caisse, ils sont zen. Hein? Ils sont zen. Vous les laissez vivre. Vous les laissez vivre. Mais vous êtes assis sur Karimo et son mari. Honte à vous. Vous ne voulez pas la vérité. Et c'est... Et toi, chrétienne, tu as dit qu'un patriote est celui qui dénonce quand il y a quelque chose qui se passe, par exemple, une injustice. Le patriote peut dénoncer aussi cette injustice. Mais tu ne dénonces pas. Parce qu'on a opéré Samy à l'hôpital de la caisse. Tu aurais pu demander à l'État camerounais de s'en charger de cette affaire. Qu'il y ait éclairage à l'hôpital de la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est comme ça qu'un vrai patriote devait faire. Mais tu t'acharnes pas sur un autre patriote. Tu demandes les comptes à un patriote qui n'est même pas médecin, qui n'est pas policier, qui n'est rien. Vous demandez les comptes à Karimou. Demandez les comptes à l'hôpital. Demandez les comptes à l'hôpital. Oui, parce que... Peut-être qu'il a un mot ouais, frère. Bonjour, pasteur. Oui, tu as la parole. Pasteur, je dis. Je t'ai appelé l'autre jour, on a toujours. Tu peux expliquer comment. Lancer tes lives. C'est-à-dire que surtout lorsque tu veux mettre quelqu'un en défaut. Notre jeune sœur est une chrétienne, et comme bien d'autres. C'est nous qui avons encouragé cette posture, cette esbrouffe sur la toile, au point où des incultes comme elle viennent contester des professionnels et des experts chacun dans leur domaine. Des médecins, des professeurs de médecine sont venus sur la toile nous dire la cause probable de la mort de Samy. On les a traités de complotistes. Un médecin légiste vient nous donner la cause exacte parce que lui, il est spécialiste. C'est son domaine de donner la cause exacte d'un décès. Et dans la cause exacte d'un décès, on conteste. Vous attendez à quoi? Vous attendez à quoi? Des gens comme étant chrétiens, c'est des gens qu'il faut mettre dans l'oubliette. En dehors de parler français, elle a quelle formation, elle a quel niveau d'études. Voilà. Au point où les gens vont se mobiliser ou crier sur elle. C'est sa limite. C'est normal. Elle ne connaît pas mieux que ça. C'est dommage parce qu'au Cameroun, on en est arrivé à ce stade-là où des spécialistes, des experts viennent parler, donner leur avis. Vous voyez des gens qui n'ont pour seul diplôme que leur vagin viennent contester des gens qui ont fait 15, 20 ans d'études, 10 ans d'études, parce qu'elle sait parler, elle sait tenir une phrase française. Elle sait parler, sujet, verbe, complément. Le problème, c'est que quoi, frère? Ça fait depuis 5 ans que j'écris sur la toile. OK? Que Facebook a des trucs, n'est-ce pas? Moi, je suis ici, moi j'appelle ça, j'avais dit le fou, nous sommes des comédiens, tu comprends? Mais il y en a qui veulent souvent vouloir démontrer au peuple camerounais que oui, hein, ils maîtrisent. Tu comprends? J'avais bien dit, là, sur la toile, ok? Si on veut la justice pour quelque chose que nous pouvons un peu façon, ok? Sortons, on demande à ceux-là qui ont été formés, certifiés, n'est-ce pas? Voilà, d'essayer un peu de voir, hein, de nettoyer nos lames, n'est-ce pas? Mais une fois ces gens-là prennent l'histoire, ça ne s'arrête pas.
ils veulent même les doubler. Ils veulent même les ils veulent prouver au monde entier que oui, hein, ils ont la solution. Mais ici, c'est nous comme ça là, qui faisons souvent avancer les enquêtes. Quand vous voyez ces gens-là réussir les enquêtes, parfois c'est la population. Hein? Parfois c'est la population. Mais elle a toutes les preuves. Oui, ses informateurs et consorts. Envoie donc alors ça hein, aux vrais enquêteurs pour qu'on en finisse. Hein? Et j'ai dit à l'étoile Pépière, si en Bengue, je ne vois pas une pareille situation, n'est-ce pas? Quelqu'un venir vendre ses produits. Alors que les pasteur, tu sais, il y a même ce qu'on appelle même l'éducation. Voilà. Pour moi, j'estime qu'elle est même mal élevée, elle est mal éduquée. Pourquoi? Parce que des gens ne peuvent pas venir, des gens qui sont experts dans ce domaine, dans le domaine médical, qui connaissent l'anatomie de l'homme, du corps humain. Est-ce que l'étoile Cribienne, elle connaît l'anatomie du corps humain? Voilà. En dehors peut-être de la tête, du tronc et les quatre membres qu'on apprenait, on leur a appris à l'école primaire. Est-ce que quelle est la partie du corps qu'elle peut citer? Donc, moi, je leur ai dit. Expert dans son domaine vous donne un avis technique, un avis d'expert. Devant moi, j'ai vu un compatriote ivoirien. Congolais, ils étaient en forme, mais on devait les opérer. On les a opérés, ils sont d'ailleurs. Tu vois? On les a opérés, ils sont d'ailleurs. Parce que les gens, des erreurs médicales, on en trouve partout. Voilà. Les erreurs médicales, on en trouve partout. Même en Europe où nous vivons, il y a des erreurs médicales. Mais c'est ce que j'ai fait comprendre aux gens depuis. Et quand il y a une erreur médicale, il y a des moyens pour demander réparation. On ne va pas s'en prendre aux médecins. Voilà. C'est terrible. Il faut qu'on arrête avec la manière de faire dans ce pays. Ils ont voulu salir le code médical parce que sur la toile, là, mon frère, les histoires des loges, les enlever reins, les enlever poumons, les enlever boyaux, les enlever ceci. Je dis qu'on en a marre. Ça, j'ai dit, sur la toile, j'ai horreur. Nous venons sur la toile. Hein? Pareil, nous n'avons ni le vécu, nous n'avons jamais assisté aux scènes, hein? Mais on vient jurer même sur nos enfants quand on maîtrise. Ça, c'est ce que moi je combats depuis. Voilà. Moi, je ne suis pas là à l'école, mais ma pauvre petite intelligente du village, parfois, je vois une histoire comme ça et dis bon voilà, je vais venir dire quoi. Mais dans mon coin, j'écoute. Et voilà, en écoutant les gens, on écoute les spécialistes, si on apprend. Voilà. Hein? J'ai écouté les docteurs sur cette histoire-là. Hein? Est-ce que je savais que ces docteurs-là faisaient des directs? Je ne savais pas. Ma partie, cette histoire-là, hein? Il y a beaucoup de docteurs que j'ai écouté, je me suis abonné. Hein? Ouais. Et des professeurs de médecine. Et moi, je m'abonne pour mieux connaître parce que moi-même, j'ai vu deux, quand je dis compatriotes, j'ai dit africains, ivoiriens, congolais. Ils étaient bien. Mais on avait programmé les jours. Elle vient jouer au savant. Pourtant, elle ne sait rien. Ouais. Elle ne connaît rien. C'est dommage. Ok, pasteur. Bon dimanche. Ok. Ok, merci. Merci, frère. Merci. Donc, l'étoile Cribienne, moi, je vais te dire la vérité. Je t'ai toujours fait la talakou, hein. Surtout quand on te framponne. Voilà. J'ai déjà framponné du camer plusieurs fois pour toi. Voilà, pour toi. Ok? Quand c'est comme ça, même mon ennemi, je me rends compte qu'on veut finir avec. Tu comprends, non? L'anguille, je prends, j'achète. OK? Nathalie Nkoua, vous avez vu ici. Je connais Nathalie Nkoua. Vous avez vu mon soutien à Nathalie Nkoua, ce que ça avait fait. Hein? Je la connais où? Karimou, je suis venu parce que je vous ai vu. Surtout toi. Tu vends des produits. Hein? Tu vends des produits.
Et tu fais quoi? Tu as 3000 épousés de personnes en direct. Ok? Tellement tu nous faisais comprendre que tu avais la solution. Tu avais la vérité. Tes informateurs, n'est-ce pas? Et tu arrêtes ça. Tu nous demandes d'aller chez la baronne des Suisses. Pourquoi? Vu que tu as la solution, tu as tout. Pourquoi tu ne nous dis pas? Pourquoi tu ne nous montres pas? Hein? Tu dis allons. C'est pour ça que tu dis Lolo, sa sortie, c'était pour nous détruire. Il faut arrêter ça. Tu caresses les abeilles depuis. La façon que tu vagues, en mets quand même sang. Partout. Hein? Les gens qui profitent de la visibilité de Fleur de Lille, tu pars là-bas avec ton vrai profil. Tu viens ici la première fois parce que tu prends aux côtelettes, tu viens avec Libby Claire. Hein? C'est quoi? Hein? C'est quoi ton délire? Hein? Et en plus, tu me framponnes d'abord. Hein? Tu framponnes ma tête. Tu ne vois pas. Hein? Arrête ça. Hein? Quand c'est pour aller voir Lolo, que Lolo, s'il te plaît, dis à ton pasteur. Hein? De laisser comme ça là. Tu es championne. Mais pour venir caresser, parce que tu sais que oui, hein, les allonnons de Lolo maintenant, hein, pourquoi je ne fais pas allusion aux autres? Je m'en fiche des autres. Parce que cette Lolo là, a toujours ici, même quand tu as chié, ça vient toujours dire que non, il faut qu'on te laisse. Tu es une petite sœur. Mais tu veux faire tout et pour tout. Du camère et toi, Mino Wassa Wassa, alors que vous avez le même état d'esprit, caresser les abeilles. Ouais. Ton orgueil là, tu ne peux pas venir dire que oui, les abeilles. Tu es obligé d'aller hein, chez les gens qui soutiennent les abeilles avec ton profil et tu viens ici à l'église et tu marques un commentaire. Tu framponnes ma tête. Attends, tu as vu ta tête. Disons-nous des vérités. Tu connais la petite race de paume là. Il faut souvent quand vous venez hein, et tu veux venir jouer lui la belle dans mon église. Tu veux imposer le rythme. C'est quoi? Attends, oh. Hein? Moi, je ne suis pas comme les autres. Hein? Je ne raque pas les murs. OK? Je ne raque pas les murs. Je ne raque pas. Mais si quelqu'un veut jouer lui la belle, on se donne rendez-vous. On allume un direct. On monte au public de Facebook. Nous sommes ici, en Bingé. C'est là, vous les femmes, aujourd'hui, les hommes sont obligés même de vous framponner au front. Alors que, c'est comme Amouga toujours dit, l'homme ne peut pas aller hein, faire un combat avec une femme au front. La femme qui sait entretenir son tot, qui a quelque chose dans la tête. Why? Même si, tu viens là, la première fois tu viens ici, à nous remarquer le tromperie, tu vis avec Tribune Claire. Attends, il faut arrêter ça. Hein? Tu ne vois pas comme ça. Hein? Tu ne vois pas comme ça. Quand tu es parti confier hein, tes trucs là à comme ça, je t'avais dit quoi? Que tu as raté ton casting, non? Hein? Les résultats, voilà ça. Elle nous avait dit un mois, elle va se déshabiller. Elle a juré. Un mois passé, hein? Rien. Mais comme Dieu fait sa chose, la nature, le temps, ouais, nous avons vu, maillot de bain, ça fait quoi? Il y a une là-bas en Italie, hein? C'est elle, le cobaye de toutes les marques, Abbe Selbouti, Abbe Carice Yenga, Abbe Sissi, regardez, hein? Ça manque en plein Facebook devant des milliers de personnes. Que oui, la petite boîte, c'est ça qui enlève mes furoncles. Mais les furoncles ne font que pousser. Le visage crasse. Si le filtre n'existait pas, babala, hein? Une personne qui a une peau décollée, déchiquetée, hein? Une personne, elle ne saigne plus hein, parce que elle, son cycle, son tonne ne respire plus. Ouais, tous les mois, comme les autres. Hein? Mais c'est elle qui coule le sang partout. Venez dire que vous allez arrêter ça. Ok? Vous allez arrêter ça. Voilà les femmes camerounaises. Hein? 50 ans en Bingé. Hein? À 50 ans en Bingé.
8 km pour aller discuter un demi-kilo de clip. Hein? Et après, on va voir celle-là venir. Hein? Elle manque le sac Chanel, elle manque les chaussures. Et vous mettez les cœurs. Hein? Quelle tromperie! Quelle tromperie! Hein? Ça dit une gars qui s'ouvre, qui graffissonne les oranges. Hein? La seule gars qu'on donne, on envoie tout. On envoie tout. Hein? Quand elle part au pays, tandis que Sako, là-bas, là, dans son palais à Douala, elle avait fait ramener son canapé du maïs, là. Sadia, les lumières, elle au moins, Ngosa, elle est souvent où? Quand elle est au pays, quand elle a allongé au canapé, c'est quel genre de canapé? Ce n'est pas les trucs qu'on vendait, les petits salons qu'on vendait autant à 15 000 là. Hein? Là où, quand tu t'allonges, la tête est posée sur un bois mal raboté. Hein? Oui, elle a vu ça. Et c'est elle, elle vient manquer les sacs, elle vient lancer les dangereux défis aux gens. Hein? Quand vous voyez, vous partez mettre les cœurs à compresseur, hein? Mandiata, hein? Elle lance les défis aux gens de manquer leur dentition, hein? De faire les toffes sans filtre, des directs sans filtre. Hein? Est-ce que c'est compresseur qui peut venir lancer les pareils défis aux gens? Non. Dans la bouche de compresseur, ce ne sont pas ses dents. C'est des dents de cuir. Ok? Tellement elle savait brosser ses dents, entretenir ses dents. Aujourd'hui, elle a les dents de cuir dans la bouche. Elle vient demander aux gens si ce n'est pas elle qui vient, hein, apprendre aux gens à brosser les dents. Hein. Ça dit, il écrit tout, même pour savoir tenir une brosse à dents. Ça dit, le sens, voilà, de, voilà, à rien, rien. Elle vient demander aux gens. Voilà donc alors la réussite de la femme camerounaise en Bengue. Ouais. Beaucoup ont raté leur casting en ramenant les gens comme les compresseurs. Vous ne voyez pas ça. Hein? Vous ne voyez pas ça. Toi, le temps qui vient, tu viens là. Hein? Yougou, yougou, tu craques, tu prends tes produits. Hein? Tu dis que c'est des bons produits, des bons produits. Hein? Tu vois la peau de compression, dit. Hein? Ça dit Thierry Nya, Bofoua, Jonala, Anon, Anyan, Anga, Kouak, Anga, Kouak. Hein? Une peau compliquée, tu as voulu nous faire savoir que oui, tes produits sont zigris. Voilà ça. Tu viens ici. Au lieu de respecter l'église pour la première fois que tu viens ici, hein, tu viens avec Kribi Claire, là où tu as seulement 5000 combien d'abonnés. Hein? Dis à tes autres abonnés là d'aller s'abonner là-bas à là, Kribi Claire. N'importe quoi. Hein? Ok. Nano Wama, il faut que Lolo explique maintenant au gouvernement camerounais pourquoi elle était maladroite. N'importe quoi. Hein? Elle a fait sa sortie pour nous détruire. Attends, pour détruire. Les qui? Les qui? Hein? Les qui? Pour nous détruire, les qui? One Love? Toi? VP de Londres? Hein? Vous qui êtes la justice, justice, vous êtes tous des présidents de tribunaux, des enquêteurs, des gendarmes, policiers, tout, hein, des bureaucrates, hein, vous avez, bon, pourquoi ça met long comme ça là? Tellement vous êtes forts, tellement on vous écoute, tellement vos voix comptent, vos voix sont zigris quand vous parlez, pourquoi jusqu'aujourd'hui, hein? Et la femme, elle est. Il est là-bas, là, au cul. Le gars lui-même, hein, il ne sait même plus quoi dire. Maintenant, il met seulement les photos de Samy. Tout ça là, à cause de votre propagande. Donc, mes gens, je vous remercie. Vous savez, je suis comme ça. Voilà, moi, je ne gère pas. Ce n'est pas ce que Kimbo Jimbo dit que oui, il ne gère pas les détails. Voilà, moi, je ne les gère pas. Hein? Ok, me boumlo. Hein? Me boumlo. L'étoile, le nom de Lolo donne les vues en ce moment. Tu comprends? Voilà. Comme tu as décidé,
Je te dis, habille-toi un peu en sœur. Tu vas voir, tu seras très mignonne. Habille-toi un peu en sœur. Hein? Tu viens souvent là avec tes deux petits cailloux posés sur la poitrine là. Mais m'écris bien, vous savez, hein, vous savez. Hein. Avec une petite voix innocente. Avec une petite voix innocente, un petit visage innocent. Hein? Tu trompes les gens avec ça. Hein? Tu es partout chez les voleurs. Hein? Regarde, me sang. Dagobert, hein? Il est crédible. Toi, l'étoile qui vient là, tu dis que oui. Hein? Les femmes veulent toujours ces hommes-là. Ces hommes-là, vraiment, il dit avec les mimbang. Me sang, les mimbang. Hein? Tu graques les murs là-bas, là. Hein? Hein? Tu graques les murs. Il faut voir. Quand tu danses souvent, ben là, hein? Le fessier au niveau des cuisses, hein? Le vent en manongouan. Hein? Tu viens marquer, tu crois que tu me framponnes dans mon direct et après tu veux que j'autorise ton mauvais comportement que tu fais dans tes directs, là. Hein? N'importe quoi. Hein? Tu sais comment j'ai bu la tasse ici, là, quand j'ai commencé à te dénoncer. Hein? Tu sais comment même ça dit mon entourage me disait que de comment vous laisse. Parce que moi, je vois de loin. Hein? On nous fouine. Ouais. On est là. Tu es comme la musaraigne. Hein? Partout. Et à Suana Tora. Hein? Tu viens me dire que c'est dimanche, je ne peux pas aller à l'église. Hein? Toi, tu es sœur. Hein? Tu es l'enfant, la fille de Dieu. Je t'ai déjà vu à l'église. Tu nous as montré. Hein? Ça va? On va faire un direct chez mamie. Hein? Après. Mais attends. Tu ne m'as pas dit que tu voulais faire quoi? Ah bon, hein? Mamie fait quoi? Elle ne peut pas quoi? Ah bon? Ok. Bon, je vais venir faire le ndong là-bas après. Voilà. Parce que c'est la fin que justifie les moyens. Il dit que quand vous voyez l'étoile, vous avez déjà vu l'étoile qui vient danser. Le tolok. Lequel? Le quel sac? Tu sais qu'elle a mis toi là-bas. Non, mais elle a pris les sacs dans sa voiture, elle a mis dans ma voiture. C'est ça là, non? Tu es sûr que c'est ça là? De quel sac? Va demander, va d'abord demander. Vous avez vu quand l'étoile tribune danse. Vous connaissez les petits trucs que les gens font souvent là. Hein? Les petites mascottes là avec les fils. Voilà. Vous connaissez ça. Hein? Ça dit l'étoile tribienne, on appelle ça, c'est quoi, épouvantail, c'est quoi là? Hein? Maintenant, si ça va, hein? Et il faut voir quand elle flatte dans ses directs, tu croiras peut-être qu'elle ne pêche pas. Hein? Mes étoiles. Quelle est cette étoile qui ne brille pas? Hein? Du cabineau, tu as fait ça d'hier, tu ne comprends pas. Et tu es toujours en train de dire que oui, après on viendra dire que oui, j'ai fait ça là pour mes produits. Et après tu t'énerves, tu dis oui. Hein, à la personne qui veut un temps. Quel temps? Quel temps? Hein? Quel temps? Hein? Donc, il faut arrêter ça. Non, mes gens, merci. C'était tout simplement de Komamugu. Moi, j'attends seulement 2025, si Dieu le veut. Apparemment, il y en a qui sont en train de chercher la visibilité.
pour avoir les abonnés, pour commencer à aboyer en 2025. Mais Mine, c'est moi qui vous dis ça. Je serai derrière vous, comme en 2018, derrière vous. Hein? Quelqu'un qui ne peut pas me démontrer qu'il est ce style de patriote-là, que moi je connais. J'ai fait mon intégration, ma journée d'intégration. Voilà, on m'a appelé le patriotisme français. Ouais. C'est que me dit patriote. Vous êtes là des patriotes. Anouama, des patriotes. Vous ne respectez pas les institutions. Vous ne respectez pas le mandat. Vous ne respectez même pas les dirigeants. Bon, bref. Vous êtes comme ça, Facebook, bac, désaffamé. Hein? Vous êtes ici, vous vivez comme des rats parmi, et parmi vous. Hein? Et il y en a 30 ans, 20 ans, 10 ans. OK? Les caméras de l'aéroport de Simalène, ni de Douala, à rien. Vous n'avez jamais été filmé là-bas. Là. Vous êtes là, bac. Vous vivez même ici. Hein? Parfois, vous êtes dans les transports en commun avec les autres humains, mais on ne vous voit pas. C'est comme un grillage, en même temps, on voit de l'autre côté. Bac, comme des canis sans mort. Merci beaucoup. À tout à l'heure. C'est ma journée aujourd'hui. Bibala.